Bonjour, bienvenue à Livre en Paris qui se tient dans les Hauts-de-France et bienvenue à la table ronde, la question écologique dans la chaîne du livre. Pour aborder cette vaste question, un panel d'intervenants et intervenantes en présentiel et en distanciel, à qui je vais demander pour commencer tout simplement de se présenter en quelques mots chacun et chacune pour qu'on puisse tous et toutes y voir plus clair au cours des 2 heures à venir. On va commencer, Amandine. Bonjour, donc je suis Amandine Hubert des éditions Vous êtes ici. On fait des livres de cuisine, notamment une collection qui s'appelle Fricassé, qui sont des livres de cuisine participatifs. Et on existe depuis 2016, donc on n'est pas très très vieux. Sur la question de l'écologie, on est plutôt sur la forme, puisqu'on édite principalement des légumes qui font intervenir des produits de saison, qui mettent en valeur les circuits courts, etc. Voilà. Voilà, c'est une bonne présentation. En distanciel, il y a Laura de Heredia. Je vous laisse vous présenter et dire quelques mots sur l'association de l'écologie du livre. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis libraire à La Procure avec un parcours d'une quinzaine d'années en librairie. Et aujourd'hui, je viens à la fois en tant que libraire, mais également en tant que membre de l'Association pour l'écologie du livre, qui est une association qui a été fondée il y a 2 ans et qui a pour objet de faire la promotion de l'écologie un peu dans cette dimension, on va dire, au sein de la chaîne du livre. Association de l'écologie donc, du livre. Donc notre... Voilà. Oui, vous vouliez... Il y a un petit décalage, mais ouais. Voilà. On va y arriver. Vous souhaitiez dire quelques mots en plus sur l'association pour l'écologie du livre? Alors, j'ai pas entendu la question... Donc, je vais répondre à côté. L'association pour l'écologie du livre, donc on travaille sur plusieurs dimensions de l'écologie. On travaille sur une dimension, la dimension matérielle, bien sûr. C'est nos premières actions. Après, les éco-gestes, des choses comme ça, mais on aura l'occasion, je pense, d'en reparler, notamment sur la partie librairie. Sur la partie écologie sociale, donc toutes les interdépendances au niveau de la chaîne et de la chaîne du livre, et puis la partie tout ce qui est dimension symbolique, et là on travaille beaucoup sur la partie de la biodiversité, et peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de travaux qui ont été menés par l'association sur des écofictions. Oui. Donc des récits de monde possible. Voilà. Merci. Je vais vous passer la parole, Thomas, puisque oui. L'association vous concerne également. Oui, tout à fait. Je suis Thomas Bou, je suis le fondateur d'une maison d'édition qui s'appelle Rue d'Échiquier, qui existe depuis 12 ans et qui est très spécialisée sur les questions d'écologie. Alors, on publie des essais essentiellement, mais aussi depuis maintenant 4 ans, on a ouvert un domaine bande dessinée et un domaine littérature pour... également aborder ces questions-là et aller toucher également l'hémisphère droit de nos lecteurs. Pas seulement leur envie de comprendre, mais aussi leur envie d'être entraîné dans éventuellement un récit. Et on est aussi, effectivement, enfin je suis membre de l'Association pour l'écologie du livre. J'ajouterais que par rapport effectivement à cette présentation, c'est que je pense que l'intérêt aussi très, très fort de cette association, c'est de rassembler justement des professionnels de tout ce circuit du livre, des bibliothécaires, des libraires, des auteurs, des chercheurs, des éditeurs, potentiellement aussi des diffuseurs et des imprimeurs, qu'on invite d'ailleurs à nous rejoindre. Mais c'est un beau projet qui permet justement d'avoir mieux connaissance des contraintes de chacun. Charles, oui, bonjour. Je voulais déjà remercier l'Agence régionale du livre et de la lecture des Hauts-de-France ainsi que l'Association des éditeurs des Hauts-de-France de m'inviter et de pouvoir présenter notre projet Livreco. Donc, je suis Charles Edouin, je suis cofondateur avec Marion Carvalho, qui n'est pas présente aujourd'hui mais qui est avec nous par la pensée, donc du projet Livreco, qui est en fait un collectif d'éditeurs et d'éditrices
éco-responsable, je serais ravi d'ailleurs de compter Amandine bientôt parmi nous, qui tout simplement avait envie de ne plus faire l'économie du texte, vu que nous sommes éditeurs, éditrices de formation et libraires, pour tout simplement référencer la traçabilité des matériaux qui constituent nos livres et donner à voir et à lire aux lecteurs et aux lectrices les philosophies éditoriales de toutes ces maisons d'édition qui ont une production raisonnée, locale, et pour montrer un peu tous les choix, alors de la rémunération des créateurs et créatrices jusqu'à la typographie mobilisée dans les livres, parce que c'est aussi des acteurs et des actrices de la chaîne du livre, en passant par quel papier, quel label, quelle certification, quel imprimeur, quel façonnier également. Voilà. D'accord, on pourra effectivement rebondir sur les différentes articulations. Il nous reste deux personnes en distanciel, donc Christian Delcambre pour les éditions Pour Parler. Ah non, on a un petit problème technique pour Christian Delcambre. Bon, Georges Sanero. Oui, bonjour, je suis là, non. Excusez-moi. Quoi? Là, pas là. Vous m'entendez? Ah, ça y est, vous êtes revenu. On vous entend, on vous voit. Ah bah parfait alors. Bon. Parfait. Bah, je vous laisse. Bonjour tout le monde. Bonjour et merci. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Oui, Christian Delcambre, donc je m'occupe de Pour Parler Édition, qui est une société d'édition principalement de beaux livres sur des sujets variés, entre autres la région et d'autres sujets différents. D'accord. Donc avec une forte sensibilité régionale au sein de votre ligne éditoriale. Oui. Pour ce livre, le livre des Hauts-de-France, effectivement, il y a une forte dimension régionale, oui. D'accord. Ben, je vous remercie. Et enfin, pour finir les présentations, Georges Sanero, qui est un petit peu multicasquette, multirôle. Multirôle. Merci pour votre invitation, oui, parce que je trouve que c'est un très beau sujet. Et pour moi, déjà, j'ai de l'information. J'ai vraiment envie d'échanger avec l'Association de l'écologie du livre. Alors, vous allez voir pourquoi. Alors, Georges Sanero, j'ai été éditeur. J'ai été éditeur pendant plusieurs années et j'ai même présidé un groupe qui regroupe des maisons d'édition, le groupe Bayard, édition presse et édition de livres. J'ai été président de ce groupe après avoir été pendant plusieurs années responsable du secteur jeunesse. Voilà, aujourd'hui, retraité, je suis toujours fidèle, je dirais, aux convictions qui m'animaient lorsque j'étais éditeur, et on m'a demandé de prendre la présidence d'une association toute récente aussi, à peine 2 ans, qui s'appelle l'AFILI. C'est l'Agence francophone pour l'innovation du livre imprimé. Et dans, je dirais, nos objectifs, nous avons des grands sujets comme la relocalisation industrielle du livre, les échanges entre imprimeurs et éditeurs, et aussi, surtout, au niveau régional. Et donc, notre objectif étant d'aider les différents acteurs de la chaîne du livre à bien entrer et à bien avancer dans cette grande phase de transition dans laquelle nous sommes invités. Eh bien, c'est une bonne définition et entrée en matière de vos rôles à chacun et chacune. Il y a cependant une autre définition que je vais vous demander encore avant d'entrer un peu plus dans la dimension question et réflexion. C'est un peu votre définition à chacun et chacune de l'écologie du livre. Puisque déjà, écologie dans la tête parfois du grand public, on a un petit peu de mal à faire comprendre que ce n'est pas que, par exemple, trier ses déchets, que c'est déjà un bon début, mais que ce n'est pas que ça. Dans la chaîne du livre, ça peut recouvrir un certain nombre de domaines qui sont évidents, comme ce que vous avez énoncé chacune tout à l'heure, le papier, ne serait-ce déjà que ça, la fabrication. Mais ça ne va pas sans une certaine dimension sociale aussi. Ça, c'est peut-être déjà un peu plus nuancé, et en dehors du côté écolo qu'on peut avoir en tête. Donc, pour vous, quelle serait la définition de l'écologie du livre et de l'écologie au sein de la chaîne du livre? Donc, on va faire un petit tour, vous pouvez... On alternera toujours un peu table et écran. Thomas, tu peux oui. Alors c'est vrai que pour moi, le mot-clé, il est cohérence, en fait. Cohérence d'une démarche quand on s'intéresse à l'écologie. Réussir à finalement mettre en accord les valeurs, les idées, les émotions que véhiculent nos auteurs avec une façon de pratiquer notre métier, ça me semble vraiment important. En tout cas, ça l'a été pour moi, qui ai
débuté dans ce métier au milieu des années 90, dans des grands groupes que je nommerai pas ici, mais qui m'ont prouvé qu'effectivement, en tout cas qui ont mis en évidence à mes yeux que cette absence de cohérence était problématique, en tout cas qu'elle m'apportait un sentiment quasi schizophrénique et très désagréable au final, de la tristesse, de constater qu'on était là d'abord pour tailler des croupières à nos concurrents et pas tellement finalement pour réfléchir à une façon de faire des livres vraiment originaux. Mmh. Et quand on a décidé de créer Rue de l'Échiquier il y a effectivement 12 ans, en éditant en particulier des livres comme Les limites à la croissance, le fameux rapport Meadows, qui établit que la perspective d'une croissance infinie dans un monde limité était une hérésie économique, écologique. Il m'a semblé évidemment important d'essayer de trouver les moyens concrets de mettre en adéquation ces discours avec nos pratiques. En 2010, on a créé avec différentes maisons d'édition un premier collectif qui s'appelle le collectif des éditeurs écolo-compatibles, qui est aujourd'hui en sommeil, mais qui, à l'époque en tout cas, nous a permis les uns et les autres de nous acculturer à un certain nombre de démarches, alors sur un plan très matériel d'abord, pour justement gagner en cohérence, et en l'occurrence en définissant par exemple des critères qui consistent à imprimer nos livres, tous nos livres à moins de 800 km de notre principal lieu de stockage, à ne choisir d'imprimer que sur des papiers labellisés ou recyclés. En 2010, il y avait encore 40 à 50% de la production française qui se faisait sur des papiers qui n'étaient ni labellisés ni recyclés. Aujourd'hui, évidemment, on a largement progressé. Il y avait aussi la question du grand gaspillage que constitue le pilon dans notre métier. Vous savez sans doute qu'on estime à 15 à 20, 25% de la production qui chaque année est détruite, c'est-à-dire transformée en pâte à papier au mieux, alors qu'on a créé de la valeur à la fois symbolique, matérielle évidemment, via des opérations industrielles, de l'extraction de ressources, etc. Coûteuse écologiquement aussi. Coûteuse écologiquement. Donc que faire pour effectivement éviter en particulier donc ce fameux pilon? Et on a mis en place des opérations, chacun à notre niveau. Nous, pendant plusieurs années, on a organisé une braderie Sauver du pilon pour essayer de sauver, à l'échelle de Rue de l'Échiquier, les défraîchis, c'est-à-dire ces fameux livres qui, après un séjour en librairie, reviennent chez le distributeur en étant éventuellement un peu abîmés, un peu écornés, un peu salis, mais qui sont tout à fait lisibles. Oui. Donc on a proposé tous ces livres-là à des étudiants, des associations, lors d'une journée spéciale organisée dans nos locaux à Paris. Et depuis peu, mais j'y reviendrai peut-être ensuite, on a essayé effectivement d'améliorer encore cette façon de faire en développant un partenariat avec Emmaüs. Mais j'y reviendrai peut-être ensuite. Voilà, donc pour moi l'écologie, c'est effectivement dans notre métier d'abord un enjeu matériel, c'est un enjeu physique de respect de notre environnement. Évidemment, le livre a une valeur symbolique forte qui fait que une fois qu'il est créé, il faut tout mettre en œuvre pour le défendre, le protéger, en empêcher la destruction. Et évidemment aussi la dimension sociale de notre activité qui fait que, à l'échelle de notre maison d'édition, on est sur une échelle de salaire de 1 à 2 et on essaye d'être le plus possible respectueux évidemment du travail de nos auteurs, de la cohérence d'ensemble d'un écosystème. D'accord. Oui, c'est donc une vision globale, comme vous venez de l'énoncer, voilà, écosystème au sein d'un écosystème. Voilà. Tout ça, juste pour terminer, fait très donneur de leçons. J'en ai bien conscience. Et je rassure tout le monde, c'est vraiment une lutte quotidienne et un enseignement quotidien. Oui, bien sûr. Et voilà, on progresse tous les jours un tout petit peu, quoi. Non, non, ça ne fait pas donneur de leçons. Non. J'espère. Non, mais Amandine, vous qui êtes donc en plus une éditrice locale, et vous le disiez en introduction, vous êtes également attachée à défendre une écologie de la localité à travers le lien à la terre. Voilà, votre définition de l'écologie, du coup, l'écologie du livre. Oui, alors, l'écologie du livre. On va dire que nous, quand on a commencé en 2016 à créer notre collection Fricassé, on s'est effectivement attaché à imprimer sur du papier recyclé, au plus proche de notre siège social. Voilà. Enfin, après, c'est pas non plus, on n'était pas hyper engagé au niveau de la forme de nos livres dans l'écologie. Bien évidemment, ça a évolué, mais surtout, alors pour moi, l'écologie, ça serait l'engagement.
l'engagement, parce que à travers nos livres, en fait, avant de publier nos livres, il y a tout un travail pour aller chercher des recettes auprès des habitants. Et en fait, voilà, c'est aussi de la sensibilisation. En fait, pour moi, l'écologie, c'est pas que quelque chose de fermé, un entre-soi. C'est aussi ouvrir aux autres. Et en fait, par cette démarche, je pense, avec les fricassés, on essaye en tout cas, sans être donneur de leçons, d'aller au plus proche des gens et de les sensibiliser à l'écologie. Voilà, pour moi, c'est principalement ça, l'écologie. C'est à grande échelle, en fait, pour tout le monde. Et sensibiliser de manière indirecte, presque, puisque c'est vous, vous passez par l'écologie, mais vous passez par... Oui, puis il n'y a pas vraiment de discours. Oui, voilà, puis il n'y a pas vraiment de discours derrière les fricassés, c'est-à-dire que rien n'est dit. Enfin, on a une politique un peu minimaliste, et du coup, rien n'est dit, en tout cas, sur le livre. C'est quand on ouvre le coffret, qu'on regarde les recettes, il y a des petites anecdotes, des choses comme ça, et puis on voit que ce sont des recettes de vraies personnes. Je pense que voilà, on essaye vraiment de contourner la chose. Je suis issue du bassin minier, et c'est vrai qu'en général, si on va de front vers les gens en leur parlant d'écologie, il y a forcément un braquage, et je me dis qu'il n'y a pas que dans le bassin minier que ça doit être comme ça. Oui, non, c'est un côté, Voilà, on a créé cette collection comme ça, et puis par la suite, effectivement, on s'est vraiment penché sur la question de l'écologie, de la forme du livre, et notamment depuis que je suis en relation avec Livreco, puisqu'il a fallu rechercher effectivement l'origine des encres, du papier. Alors bon, on a eu une malchance, c'est que notre imprimeur a fermé depuis la crise, et donc on ne peut pas trop aller rechercher les informations, mais là effectivement on s'attache à bien trouver d'où sont issus les papiers, les encres, etc. Et puis effectivement, comme vous le disiez également, la rémunération des auteurs. Alors pour la collection Fricassée, c'est un projet participatif, donc effectivement c'est du bénévolat. Mais on a une autre collection qui s'appelle Paupiette pour la jeunesse. Et là, pour le coup, effectivement, on chouchoute nos illustrateurs et illustratrices. D'accord, merci. Laura, au sein de la librairie, quelle est un peu votre définition? Et vous avez pu aussi constater les démarches concrètes qui ont été menées? En fait, il y a plusieurs dimensions. Hein. Il y a la dimension déjà des rayons. Donc dans les, on va dire, 10-15 dernières années, les rayons autour de ces sujets se sont vraiment développés. Donc on a une proposition à faire, parce que c'est un sujet qui intéresse de plus en plus de gens. Donc nous, c'est vraiment un travail de construction, de classement, de choix de livres pour pouvoir présenter des rayons qui sont cohérents et puis qui apportent quelque chose aux gens. Il y a des dimensions qui peuvent être variables, donc selon les librairies. En particulier, la librairie La Procure, c'est une librairie qui a une forte spécialisation religieuse. Donc c'est vrai qu'il y a un très très gros rayon qui est lié à tout ce qui est foi et écologie dans la mouvance de l'encyclique du pape François Laudato Si, qui était vraiment dédié à l'écologie intégrale. Donc écologie intégrale à la fois humaine et sociale, et puis tout ce qui est matériel. Donc ça, ce sont des rayons qui se sont énormément développés. Et puis ensuite, concrètement, en librairie, il y a un travail qui est énorme sur ces sujets-là, puisque on a vu la production, donc le nombre de titres, de nouveautés exploser dans les 15 dernières années. Il y a un vrai enjeu de pouvoir continuer à faire ce métier en continuant à faire des choix et en n'étant pas seulement dans le côté manutention, on déballe, on remballe des livres à l'aller et au retour. Donc il y a un vrai enjeu de aujourd'hui concrètement dans le quotidien de ce métier, la surproduction, et cet enjeu-là, il a clairement un impact écologique puisque ça se joue sur le transport. Donc en tant que libraire, on peut avoir des actions très concrètes. Si on baisse son taux de retour, en tout cas si on baisse ses achats, et par définition derrière les retours vont baisser, on aura son taux de transport, enfin son volume, ses tonnages de transport, on va dire, qui baisse. Donc un impact carbone. Un impact carbone direct. Ouais. Donc ça fait partie des sujets qu'on va dire numéro un pour les libraires, essayer d'optimiser entre guillemets ses achats pour faire baisser son transport.
Ensuite, il y a beaucoup de sujets donc, qui sont également traités au sein de la commission développement durable du syndicat de la librairie, qui sont des sujets autour de l'aménagement des magasins, si on passe sur des éclairages en LED, tout ce qui est chauffage, enfin voilà, tous les aspects très très concrets qui peuvent vraiment avoir un impact. Est-ce qu'on choisit de changer son fournisseur d'énergie, enfin voilà, des choses qui peuvent vraiment être importantes. Et puis également sur le choix des fournisseurs, alors sur les fournisseurs type, bon, il y a une première action qui est au niveau de la sacherie, puisque on va dire, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on travaille sur le fait de ne plus avoir de sacs plastiques. Mais avant, on donnait des sacs plastiques, hein, donc on était gros producteurs, enfin en tout cas gros transmetteurs de sacs plastiques, gros pollueurs à ce niveau-là. Donc maintenant, on va dire dans l'ensemble des librairies, on est plutôt passé sur des sacs papier ou des sacs tissu. On est beaucoup passé aussi sur de la mutualisation sur tous ces aspects sacs, en essayant de produire en commun pour avoir peut-être des choses, pour pouvoir avoir des meilleurs prix, pour pouvoir avoir des papiers plus qualitatifs, donc travailler avec des fournisseurs qui font des choses plus qualitatives, mais à des prix pas tellement plus importants pour les libraires. Donc ça, c'est plutôt des actions collectives qui sont menées au sein d'associations. À Paris, par exemple, il y a Paris Librairie qui fait des sacs pour tous les libraires, et donc ça permet d'avoir des choses un petit peu plus écologiques. Donc ça, c'est un élément important. Et puis il y a tout ce qui est papier cadeau, bien sûr, aussi. Donc ça, c'est notre consommation, on va dire, en tant que commerçant. Et puis ensuite, les aspects plus difficiles sur lesquels on travaille, mais c'est plus compliqué. C'est comment essayer de sensibiliser pour avoir un peu plus d'informations sur d'où viennent les livres qu'on achète. Est-ce qu'on peut essayer de vendre des livres qui sont produits en France, ou avoir un peu plus d'informations sur si c'est produit en Chine pour des livres jeunesse, mais est-ce que c'est bien convoyé par bateau, enfin voilà, bon. En tout cas, sur ces dimensions-là, on manque d'informations, on essaye de sensibiliser nos représentants, mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on a encore peu de... On a l'impression, en tout cas, d'avoir encore peu de leviers et de... Ah, il y a un petit décalage, vous disiez peu de leviers, bah justement, il y en a un important qui est autour de cette table, puisque Georges Sanero avec la Philly. Vous avez mentionné le livre jeunesse et l'impression en France par rapport à la Chine. Je pense que vous aurez beaucoup de choses à dire à ce sujet au niveau des actions que vous menez. Oui, vous voulez que j'intervienne? Oui, allez-y. Dans les définitions qui ont déjà été données, moi, il y a déjà deux mots que je retiens. C'est le premier qui a été prononcé, c'est cohérence. Cohérence, contenu, contenant, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il faut se remettre en cohérence. On dit tellement de choses intéressantes dans les livres que nous produisons les uns les autres qu'il faut aller jusqu'au bout et retrouver cet accord entre contenu, contenant. Enfin, c'est un de nos objectifs. Le deuxième mot, c'était le mot engagement. Quand on parle d'écologie, bien sûr, il y a la dimension climatique, mais il y a aussi, comme vous l'avez cité, la dimension sociale. Hein, et je remercie que les intervenants là, d'avoir déjà mentionné ce point, parce qu'on ne peut pas avoir d'un côté, je dirais, un engagement sur cette écologie, sur sauver la planète, sans d'abord s'intéresser au fonctionnement des uns et des autres. Donc ça me paraît aussi être un élément important. Alors, par rapport à la définition de l'écologie du livre, c'est pas une définition que je voudrais donner, mais c'est plutôt une direction d'action qui nous motive à la Philly ou chez certains éditeurs, hein, et je pense que ça sera partagé autour de la table. D'abord, je dirais que ce qui est important, c'est que la chaîne du livre apprennent à mieux fonctionner en co-responsabilité, voire en co-réalisation. Aujourd'hui, cette chaîne du livre, elle est composée d'acteurs extrêmement différents, des individus, des lecteurs, des auteurs, des structures,
des groupes industriels, des groupes de diffusion, des plateformes, etc. etc. Et je dirais qu'on retrouve dans les acteurs du livre un peu, je dirais, tous les acteurs des secteurs économiques de nos sociétés. Et la chaîne du livre est plutôt marquée par un dysfonctionnement. Son premier dysfonctionnement, déjà, c'est que quand on regarde les acteurs du livre, certains appartiennent, je dirais, à l'économie et à l'industrie, et d'autres appartiennent à la culture. Et cette rupture, elle est préjudiciable. Oui, préjudiciable pour chaque partie, et au final... Oui. Elle ne permet pas de se mettre tous autour de la table et je dirais, de revisiter un petit peu une optimisation de cette chaîne du livre. Et d'avoir peut-être, de gagner un peu en transparence et en communication. Ça vient d'être par Laura, ce besoin de communication qu'auront de plus en plus les libraires comme les lecteurs pour être assurés par rapport à l'origine d'un livre, pour être rassurés par rapport à la manière dont on prend soin du contenant par rapport à un contenu qu'on a choisi. Voilà, donc... ce type de rencontre et de table montre que... Bon, il y a plusieurs éditeurs et éditrices, mais que les échanges et les recherches communes sont tout à fait, d'une part, possibles et peuvent être fructueux et se recoupent, vu que depuis tout à l'heure, il y a beaucoup d'éléments que chacun et chacune ont pu énoncer qui tournent, si on peut dire. Et je vais vous passer la parole, Charles, pour livre Anco, pas Echo. On laisse le choix aux gens. C'est vrai que N est devenu la norme, parce que les anglo-saxons utilisent beaucoup cette esperluette. Or, oui, c'est la ligature du ET pour faire E en français, voilà, en code typo. Donc c'est bien livre Echo. On a mis un accent aigu dessus, exprès. Mais voilà, livre Anco, c'est très joli aussi. Il n'y a pas de problème. Je me remercie à tous les intervenants et intervenantes pour déjà les éléments. Je vais me permettre de faire un peu le relais de ce que Thomas a dit, parce que... Voilà, nous, on est une maison d'édition, au départ, toute petite. On est la maison des pas perdus, une maison d'édition expérimentale, vraiment un labo pour essayer de faire du livre en éco-conception. Et on est allé voir Thomas Bou dans les bureaux de Rue de l'Échiquier, tout jeune éditeur, rêveur que nous étions. Donc, je le remercie encore une fois pour ça ici. En fait, nous, concrètement, aujourd'hui, on est une librairie en ligne qui référencie les éléments de traçabilité, mais aussi une librairie itinérante. Parce qu'on voulait aller à la rencontre des lecteurs et des lectrices pour bien pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est la chaîne éditoriale aujourd'hui. Nous, vraiment, notre objectif et notre volonté, en complément avec l'Association pour l'écologie du livre, dont nous sommes membres en tant qu'éditeur et en tant que libraire avec Libreco, c'est justement de pouvoir donner les aimants pour passer d'une chaîne du livre, verticale, pyramidale très souvent, à un écosystème du livre plus horizontal et plus circulaire, bien sûr. Nous, les thèmes qui nous semblent très importants, au risque d'utiliser le nouveau préfixe éco un peu de façon trop abondante et de façon trop pratique. Voilà, nous on appelle ça la brosse à verdir ou l'éco-blanchiment. Ça me semble très intéressant pour justement tous ces conglomérats éditoriaux, comme le disait votre intervenant, qui sont de l'économie, non plus de la culture. Oui. Le but est de définir éco-conception et éco-responsabilité. Effectivement, il y a un premier pas qui est prendre conscience sur toute la chaîne de production de l'impact sur l'environnement. À ma production éditoriale, qui est une industrie qui est polluante, qui émet évidemment des gaz à effet de serre, mais aussi l'éco-responsabilité, moi en tant que producteur, productrice culturelle, comment j'impacte une économie locale, sociale et si possible circulaire. Donc vraiment, nous, c'est ce qu'on a voulu mettre en avant énormément sur Livre Éco, en mettant tous ces éléments de façon indifférenciée pour montrer que c'est bien sûr l'environnement, mais l'environnement est aussi socio-économique. Oui, c'est une vision globale, mais non globalisante, si on peut dire. Et Christian, pour finir le tour de table des définitions, d'autant plus vous parlez par rapport à la territorialité, au côté un peu terroir et région, vous, quelles sont votre définition clé de l'écologie du livre? L'écologie, évidemment, c'est... de ne pas gaspiller. Bon, nous sommes dans les beaux livres, c'est beaucoup plus dur que les livres de texte qu'on peut imprimer à la demande. Nous, il faut vraiment prendre la grande décision d'imprimer la quantité la plus raisonnable pour que justement tout soit vendu. On y arrive assez bien et j'espère que ça durera, mais on sent quand même qu'il y a une baisse généralisée par les événements que nous avons connus. Et que le problème va se reposer de savoir combien d'exemplaires nous devons imprimer pour qu'il y ait le moins possible de livres qui partent au pilon.
Donc vous imprimez, on va dire, peu, mais c'est pas de l'impression à la demande que vous faites. On imprime peu, mais on est quand même à plusieurs milliers d'exemplaires, oui, parce qu'on ne peut pas imprimer un beau livre en quadrille à 200 exemplaires, ça n'est pas possible. Nous sommes en 9-7, hein, pas en numérique, évidemment. Vous avez l'air tout est possible, ça dépend le prix qu'on veut mettre dedans, hein, effectivement, oui. Ça dépend de la marge qu'on veut soulever, tout est possible. Il y a aussi cette dimension qui est souvent collée en fait, à l'idée écologique, c'est oui mais ça coûte plus cher. Est-ce que déjà concrètement, oui, ça coûte plus cher d'être plus propre et aussi, est-ce que ce coût-là qu'on va mettre, éventuellement nous en tant que consommateurs un peu plus, il n'a pas quelque part un effet extrêmement important qu'il est bien qu'on connaisse pour savoir si on met 1 ou 2 euros, même 5 euros en plus, qu'est-ce qu'on soutient vous, en tant que qu'éditeur On revient au mot cohérence de tout à l'heure. C'est vrai que moi, il m'arrive régulièrement, quand je suis sollicité par des imprimeurs bulgares ou slovènes ou par des courtiers d'imprimeurs, de les interroger juste pour voir effectivement ce qui pourrait m'être proposé aussi bien pour du livre noir que pour de la quadrille. Oui. Et on observe une différence incontestable, c'est-à-dire qu'on paye nos livres délibérément 15-20% plus cher en les faisant imprimer en France, parce qu'on a aujourd'hui encore la chance d'avoir un outil industriel français qui est complet, pas simplement d'ailleurs sur le noir, contrairement à une légende qu'on entend de ci, de là, mais aussi sur le relié cartonné et sur la quadrille. On peut tout à fait travailler avec d'excellents imprimeurs français à des prix qui peuvent être effectivement légèrement supérieurs à ceux qu'on obtiendrait ailleurs, oui. Mais au prix, encore une fois, effectivement, d'une cohérence qui me semble pour le coup devoir surplomber tous les autres critères. Donc, il est vrai que cette différence de prix existe. Maintenant, je pense que c'est à chacun de se positionner. Évidemment, cet impact économique ne doit pas se ressentir au final et rendre inaccessibles Bien des sûr. Livres c'est un peu le risque, dont oui, on souhaite un rayonnement évidemment aussi large que possible. Mais effectivement, ça ne va pas sans le fait d'accepter, de viser non pas un résultat à 10% par an, mais un équilibre raisonnable qui nous permet qu'un cas de poursuivre notre route. Donc c'est vraiment des choix aussi oui, de stratégie d'entreprise et de vie, j'ai envie de dire. Qui se rejoignent. Voilà. Vous disiez, Amandine, que vous éditiez, imprimiez localement. Oui, également. On imprimait localement, ah oui, avant puisque le fameux imprimeur a fermé, mais on en a retrouvé un qui est encore plus près de notre siège social. Donc on est en Belgique, il y a plein d'imprimeurs formidables. Et alors, effectivement, parce que du coup, on peut imprimer en France, mais si on imprime dans le sud, ça n'a pas de sens, en fait, finalement. Oui, il y a aussi, tourner, effectivement, la localité qui prend son oui, sens. Oui, en France, oui, ça tout veut à dire fait. Quoi quand on est, finalement, en France, ça ne veut rien dire. À la limite, c'est autour du siège social. Enfin, moi, ça me paraît logique. Oui, qui est ce fameux rayon, comme un peu pour les fruits et légumes. Bah voilà, tout à fait. Ça. Après, les livres jeunesse, ce sont des livres d'éveil et du coup, ce sont des tout cartons. Alors, on a vraiment cherché partout en France. On a cru avoir trouvé en Bretagne, mais en fait, ils sous-traitaient en Pologne, donc on s'est dit, c'est pas la peine. Donc, on a été au plus près, c'est-à-dire c'est le nord de l'Italie. Mais c'est pas encore assez près pour nous, donc on a effectivement fait des devis via le nouvel imprimeur qu'on a trouvé. Mais c'est pas. Enfin, la technique, elle est compliquée. Effectivement, il n'y en a pas en France. Donc, on est au plus proche. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu des devis polonais, bulgares, qui étaient nettement moins chers. Et on a quand même pris le parti pris d'imprimer en Italie. D'accord. C'était important. Par rapport au coût des livres jeunesse, donc ils sont souvent ces fameux livres imprimés cartonnés, qu'est-ce que vous avez pu observer par rapport à ce qui se fait encore beaucoup et qui pourrait être fait pour qu'on ramène un petit peu ce savoir-faire à l'intérieur, enfin au plus près, si on peut dire. Alors, avec un partenaire de la FILI, de notre association, qui est l'UNIC, qui est l'Union nationale des industriels, enfin des imprimeurs. Il y a eu une étude qui a été réalisée il y a deux ans et demi même, sur le livre complexe et le livre semi-complexe, qui a fait le constat que pas mal de délocalisations étaient liées à des pertes de savoir-faire.
Donc, on a étudié les savoir-faire qui étaient en question, hein, par rapport notamment à des livres jeunesse et des livres surtout petite enfance. Alors, tous les savoir-faire ne sont pas rapatriables, mais un grand nombre de savoir-faire sont à notre portée. Les Italiens ont su les tenir, certains industriels aussi en Belgique ou au nord de l'Europe. En France, ça serait tout à fait possible, à condition d'arriver à faire travailler des imprimeurs ensemble pour constituer, je dirais, des ateliers complémentaires sur ces savoir-faire qui ont un petit peu disparu. C'est tout à fait du domaine du possible en matière de compétences, je dirais, en matière de financement. Et là revient le seul problème, c'est mettre les gens autour de la table et de les faire travailler dans une situation un peu complexe, mais pour pouvoir proposer des solutions. Mais c'est vrai, comme vous l'avez dit, et moi en tant qu'éditeur, j'étais concerné par ça, c'est que les écarts de prix aujourd'hui, 15 à 20%, vous avez cité, je suis tout à fait d'accord, il y a quelques années, ça montait jusqu'à 30%. Et il suffisait de passer les Pyrénées pour trouver un parc machine assez moderne. Je parle surtout de la presse, hein, des forts tirages qui permettent d'avoir des performances au niveau prix. Par contre, c'est le cas que nous avions mené chez Bayard, nous avions fait à un moment, pour les magazines que nous éditions, un travail sur l'empreinte carbone. Et on s'était donné comme objectif de la baisser d'une façon assez conséquente. Ce qui nous a conduit à nous interroger sur la question du transport, sur la question aussi des coûts, et nous avons relocalisé une partie importante de nos productions, notamment qui était en Pologne, et une partie en Espagne, pas tout. Et je pense que c'est ce type de démarche extrêmement concrète, comme vous le soulignez, qui permet de faire des progrès, sachant qu'il faut pas, on ne peut pas régler la situation seule. Il faut arriver à inviter dans cette démarche des éditeurs, des imprimeurs et aussi des diffuseurs. Enfin, le problème est assez lié avec la diffusion-distribution. Effectivement, on pourrait y venir après sur justement le côté articulation de la chaîne. Et Laura, vous vouliez prendre la parole, après je passerai à Charles. Justement, je voulais rebondir sur ce côté. Il faut un collectif et il faut faire travailler tous les métiers ensemble. C'est vraiment le propos de l'Association pour l'écologie du livre. Aujourd'hui, on est déjà 200 et il y a vraiment tous les métiers. Donc, c'est ça qui est vraiment, la vraie spécificité et qui intéresse l'ensemble des personnes qui peuvent s'engager dans cette démarche-là. C'est qu'au final, on se rend compte que chacun sur son métier, on est... généralement assez... une fois qu'on commence à l'avoir exercé depuis quelques années, on le maîtrise bien, on peut s'améliorer, on peut améliorer ses modes de fonctionnement et on peut vraiment travailler à son niveau sur beaucoup d'actions très très concrètes. Mais pour aller plus loin, il faut vraiment impliquer l'ensemble des acteurs. Et pour cela, il faut déjà comprendre les métiers des uns et des autres et les enjeux. Et en fait, ça passe vraiment par du dialogue, de la communication, des échanges. Et ça prend un petit peu de temps aussi, c'est normal. Je pense qu'il faut aussi accepter cette dimension-là et vraiment la prendre en compte même dans la réalisation des projets. Et c'est ça qui est, en tout cas, quand on voit, on a fait très récemment une session avec, il y avait à peu près une quarantaine de personnes connectées autour des projets de l'association. Il y a beaucoup d'échanges, il y a une envie énorme en fait. Aujourd'hui, il y a vraiment une envie très très importante qu'il faut maintenant arriver à canaliser, concrétiser, et pour pouvoir passer à une dimension supplémentaire, qui est une dimension vraiment d'accompagnement des modifications de la chaîne. Mmh. Charles, et justement, si je peux essayer de faire un peu le lien, c'est pour revenir sur la question des savoir-faire, ce qui est vraiment important, il me semble, d'expliquer, c'est que justement les savoir-faire, ils se délocalisent, parce que le travail, ce qu'on appelle la main-d'œuvre de façon très vulgaire, je déteste ce terme, les travailleurs et travailleuses à l'autre bout du monde coûtent moins cher. Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils sont moins protégés. Donc les décisions, c'est de dire on va moins protéger des gens, on va moins les rémunérer, moins leur favoriser une vie décente. Et du coup, le parc machine, donc tout ce qui est les machines qu'utilisent les imprimeurs, les façonneurs, se délocalise parce que des pays vont se spécialiser
dans certaines formes de fabrication. Or, en France, il reste énormément d'experts sur du complexe et du semi-complexe. Il faudra peut-être m'expliquer ces termes, j'ai peut-être pas assez d'éléments pour semi-complexe, complexe. Il y a des maisons d'édition jeunesse, typiquement, comme La Cabane Bleue ou La Tête Ailleurs, donc du côté de Nantes ou du côté de la Seine-Saint-Denis, qui ont réussi à être extrêmement cohérents sur justement leur production éditoriale jeunesse, qui parle d'écologie, qui sensibilise sur l'écologie les plus jeunes, et qui arrive à ne plus utiliser de pelliculage imprimé en France, dans une imprimerie qui s'appelle la CPEC, qui relie sur place, qui façonne sur place, donc qui ne sous-traite pas en plus, donc pas de transport, et qui optimise ses cartons à tel point qu'il n'y a même plus besoin de film plastique ou d'autres matières pour enrober les livres, pour qu'ils soient livrés sans être abîmés. Et en tant que libraire, ces livres-là sont plus durables. Moi, j'ai même travaillé à la FNAC, pour tout vous dire, et j'ai des gens qui me demandaient de leur recommander un livre neuf, parce que sur un pelliculage brillant ou un pelliculage mat, il y a des petites rayures. Voilà, donc ça semble plus neuf. Un livre pas pelliculé, donc avec une couche de pétrochimie en moins, quand même pas négligeable, et ben vous avez des livres plus durables. Mais vraiment, en France, il existe encore beaucoup, beaucoup d'imprimeurs, beaucoup, beaucoup de façonniers, mais vraiment de très, très grande qualité. Il y a Clément Façonnage dans l'Est, il y a les reliures d'art du Centre, à Limoges, il y a des très très bons imprimeurs, mais le problème c'est qu'il y a, suite à la mondialisation, un refermement sur des métiers de niche, un marché de niche, ou vraiment très spécialisé sur vraiment du livre d'art très très luxueux presque, et du très gros tirage. Il n'existe plus de moyens, oui, ça n'existe plus. C'est le problème principal de la mondialisation, et c'est exactement la même chose pour la diffusion-distribution, où il y a des énormes pôles de diffuseurs-distributeurs aujourd'hui, et des tout petits, mais plus du tout de moyens. C'est ça le problème aujourd'hui. Oui, c'est que les entre-deux sont gommés et plus de... Ouais. Vous avez en fait un peu chacun et chacune différemment énoncé l'idée qu'il y avait un besoin de dialogue, de se mettre autour d'une table, d'échanger, pour éviter de recréer de l'entre-soi dans l'entre-soi déjà un peu de l'édition. Est-ce que vous avez, notamment avec l'association pour l'écologie du livre, par exemple des modules de formation déjà interprofessionnelle, d'échange? Pour que vos actions et même vos discours soient alignés pour pouvoir ensuite éduquer le consommateur et lui faire comprendre certaines choses. Est-ce que vous faites ce genre de choses? Alors, c'est en train de se mettre en place. C'est vrai que l'association était sur des fonds baptismaux à la rentrée 2019. La crise sanitaire ne nous a pas aidés obligatoirement à nous voir suffisamment pour structurer de façon encore très efficace l'activité de l'association. Mais ça y est, là, on sent que les choses démarrent. Justement, Laura faisait allusion à un échange qu'on a eu il y a 10 jours tous ensemble. La semaine prochaine, on a une réunion de nouveau en visio autour de la création d'un certain nombre de groupes de travail autour des questions de surproduction en particulier, de fabrication et d'autres encore. Donc j'invite toutes les personnes intéressées évidemment à nous rejoindre et à adhérer à cette association pour une somme qui peut être tout à fait modique d'ailleurs et à titre personnel. D'ailleurs, parenthèse, je ne sais plus si j'ai pensé à vous le dire en début de rencontre, si vous qui regardez avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il faut être connecté à Twitch ou avoir un compte, mais c'est très rapide à faire. Donc n'hésitez pas à vous créer un compte si vous avez des questions. Ensuite, on les fera tourner au sein des invités. Et juste pour suivre juste un instant là-dessus, c'est vrai que, encore une fois, l'intérêt de cette association, c'est de permettre à une envie commune très forte de se cristalliser actuellement et de favoriser ces discussions interprofessionnelles qui sont absolument fondamentales pour gagner en efficacité. Parce que nous, à notre échelle, depuis 10 ans, c'est vrai que chez Rue d'Échiquier, on fait ce qu'on peut en tant qu'éditeur, en choisissant les bons papiers, les bons fabricants, en essayant d'améliorer nos relations au quotidien avec l'ensemble de nos partenaires et auteurs, mais il est vrai que c'est aussi en ayant par exemple mieux conscience des difficultés d'un diffuseur-distributeur à défendre une offre auprès des libraires qui eux-mêmes peuvent être par moments saturés par les propositions éditoriales qui souvent se ressemblent malheureusement, parce qu'il y a aussi une distinction sans doute à faire entre le livre de création et le livre de reproduction. Donc il y a effectivement des discussions qui peuvent, par exemple, on est dans une économie de l'offre, il y a 60 000 et un peu plus aujourd'hui nouveautés et rééditions qui sont proposées chaque année au public. Il est vrai que pour un libraire qui a 60 ou 70 mètres carrés, l'heure du choix, c'est tous les jours. Oui. Et donc, comment procède-t-il? Comment peut-il faire pour effectivement favoriser aussi une édition qui est plus originale dans sa proposition, plus forte peut-être,
plus, enfin moins copieuse de ce qui est fait. Plus ciblé. Plus... Voilà, c'est vrai que nous, par exemple, avec notre diffuseur-distributeur, qui est un excellent diffuseur-distributeur, Harmonia Mundi, on a une discussion quasi quotidienne avec notre directeur des ventes sur la manière de mieux, par exemple, positionner certains titres chez certains libraires plutôt que de jouer la grosse cavalerie. Parce qu'en fait, en tant qu'éditeur, c'est vrai qu'on a envie que nos livres soient lus, qu'il y en ait le plus possible, en particulier au moment de la mise en place. Mais est-ce que c'est toujours une bonne opération? Est-ce qu'il est malin de faire de la PLV à base de cartons et de présentoirs et d'affiches qui vont à peine arriver chez le libraire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer justement notre communication sur les attentes, sur les besoins de chacun? Avec notre diffuseur-distributeur Harmonia Mundi, on discute actuellement de la possibilité aussi d'optimiser le taux de retour des libraires en leur permettant un intéressement supplémentaire sur les réassorts. Puisqu'une fois effectivement qu'une mise en place est épuisée, pourquoi pas imaginer que les livres qui sont réassortis donnent lieu à une remise plus importante si les libraires jouent le jeu d'une longévité supplémentaire en librairie. Bref, enfin, ce sont des chantiers nombreux, des idées qui pour le moment sont agitées, mais qui, je crois, en fait, au sein de l'association, peuvent aussi trouver un prolongement concret assez vite, puisqu'on est tous ensemble, et c'est quand même ça le grand intérêt. Oui, le côté collectif. On a déjà aujourd'hui des formations qui ont été mises en place à destination des libraires. D'ailleurs, il y en a une aujourd'hui même. Donc, du coup, les membres fondateurs de l'association Marin Schaffner et Anaïs Massola sont en train de faire une formation actuellement au sein de l'Institut National de Formation des Libraires. D'accord. Et il y a également eu des actions régionales, donc auprès de notamment de bibliothécaires. Donc là, ces actions, elles visent beaucoup à sensibiliser à tout ce qui existe aujourd'hui comme fonds autour de l'écologie. Donc voilà, quelles propositions faire finalement autour de l'écologie, comment accompagner ces propositions en magasin ou en bibliothèque. Donc il y a tous ces sujets-là qui ont déjà été beaucoup défrichés, mais effectivement après il y a encore énormément de choses à faire sur la partie diffusion notamment. Oui, c'est là il y a encore plein de choses à discuter. Ce que justement on souhaite faire en complément avec l'Association pour l'écologie du livre, parce que c'est vrai que nous, suite à la création de notre site et de notre initiative collective, beaucoup de groupements professionnels du livre nous ont contactés pour des formations. Donc on sait un peu, on a souhaité répondre à ce besoin-là, sur plutôt le côté en amont, sur la fabrication, la conception du projet et l'objet éditorial. Et on est intervenu déjà, je voyais Marion quasi passer juste avant nous, je la remercie pour son travail, parce qu'ils ont fait un très beau travail dans l'agence Normandie Livre et Lecture de veille, sur tout ce qui se fait justement sur l'écologie du livre. Vous avez une page dédiée, je vous invite vraiment à aller la voir. Ils ont fait un questionnaire aussi au niveau local de leur région. Nous sommes intervenus aussi auprès de Mobilis, Pays de la Loire, donc l'agence régionale du Pays de la Loire, les livres et lectures. Livre Bretagne, Livre et Lecture nous a également contactés. La région Grand Est cherche également à cartographier tous les imprimeurs de sa région, donc on va peut-être intervenir avec eux là-dessus. Et nous ferons une formation à l'automne avec Fontaine au Livre, qui est aussi un centre de formation spécialisé dans l'édition. À Sored et Dinovo, aussi deux formations plutôt pour les graphistes, qui est déjà en cours. On fera peut-être des petites pastilles avec eux plus ludiques. Et c'est d'ailleurs avec un fabricant qui, si je me trompe, souhaitait, pour revenir au savoir-faire, relocaliser la production de pop-up, donc ces livres qui se déploient quand on les ouvre en France. Alors apparemment, le Covid a un peu ralenti les choses. Peut-être que c'est un projet qui va devenir, mais voilà, on a des formations déjà nous en cours. Vu ça d'ailleurs par rapport au pop-up, Georges, c'était une des thématiques de la filie avec justement ce savoir-faire asiatique qui était un peu l'excuse à produire là-bas. Est-ce que de ce que vous avez pu observer, c'est possible de le rapatrier ou de le redévelopper en France? Alors les pop-up, c'est un peu compliqué, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une question de main-d'œuvre. Oui. Par contre, il y a des livres, je dirais, plus simples, enfin, moins sophistiqués, parce qu'il y a plusieurs niveaux dans les pop-up, qui sont du domaine du relocalisable. Par contre, on s'aperçoit que pour pouvoir ouvrir un atelier qui agirait en complément quand on n'a pas tout à fait le savoir-faire, il faut quand même, un volume minimum. Donc, il faudrait mutualiser, les propositions de certains imprimeurs ou de certains éditeurs pour pouvoir assurer
je dirais, ce volume minimum. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses du domaine du possible. Par rapport à la question du lieu de fabrication que vous soulignez, j'ai eu entre les mains une étude qui s'est faite, je crois, au début de l'année, à fin de l'année dernière, sur les critères d'achat des produits en fonction des niveaux de revenus. Alors, ce qui m'a beaucoup marqué dans cette étude, c'est vrai que les choses bougent en fonction des revenus des gens. Mais si je me mets sur la moyenne, parmi quatre critères qui étaient la nouveauté et l'innovation du produit, les prix les plus bas, l'origine bio et le lieu de production, c'est une étude qui a été faite par l'IFOP hein, pour un think tank, le premier critère qui arrive pour le salaire médian français, c'est le lieu de production à 70%. D'accord. Le deuxième, c'est l'origine bio. Enfin, on voit ce que les gens mettent. Et l'éthique, bio et éthique, pour 45%. Les prix les plus bas n'étant qu'à... Alors, attendez, je regarde. Qu'à 18%. Voilà. Et l'innovation étant plus basse aujourd'hui qu'elle ne l'était avant le confinement. Moi, je trouve que c'est intéressant, cette sensibilité au lieu de production. Encore faudrait-il, c'est une petite idée que je propose, qu'ensemble, et aussi avec les responsables, je dirais, de l'État, nous arrivions à revaloriser l'achevé d'imprimé, et surtout nos livres. Revaloriser l'achevé d'imprimé, qui est une mesure légale, pourrait nous permettre d'avancer. Il y a déjà des éditeurs et des libraires qui le font, je citerai Paulina, notamment pour certains ouvrages BD ou ce qui a été cité par rapport à Cabane Bleue, des petits éditeurs qui spécifient ça sur leurs livres, notamment avec le lieu de transport entre l'impression et le lieu de distribution. La revalorisation de l'achat d'imprimé me semble être une piste que nous pourrions faire avancer ensemble. Hein. Dans la grande tradition, je dirais, de l'édition depuis le XVIe siècle. Ce qui n'est d'ailleurs que l'application de la loi, hein. Oui, l'achevé d'imprimé doit absolument inclure le nom de l'imprimeur, le lieu de la production. Voilà, et c'est évidemment souvent ignoré à dessein. Pour les productions francophones, pour les productions hors France, oui. C'est uniquement... pardon, j'ai fait tomber une clé USB. C'est uniquement le lieu de... le pays d'impression. Et encore beaucoup trop d'éditeurs, dont je ne citerai pas les noms, indiquent uniquement le continent. Exactement. Et effectivement, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est qu'il y a tous ces mouvements-là, beaucoup de voix un peu autonomes, indépendantes, qui font plein de choses, y compris nous. Hein, on a fait tout un système de pictogrammes pour essayer d'être en un coup d'œil assez clair sur fabriqué en France, fabriqué en Union européenne. On s'est interdit de travailler avec des livres qui seraient fabriqués hors UE, toujours sur les questions de droit du travail. Et du travail des enfants, qu'on n'a pas cité. En Chine, on n'est jamais certain de qui travaille sur les productions. Mais il y a vraiment, du coup, ce mouvement un peu disparate de beaucoup, beaucoup de labels qui se créent, beaucoup de choses qui s'auto-attribuent, qui nous semblent un peu risquées. Et effectivement, ce que disait très bien monsieur, c'est qu'il va falloir que l'État, ou en tout cas les institutions, comme par exemple le ministère de la Transition écologique, l'ADEME, le ministère de la Culture, le CNL, bien que si... travaille conjointement. On en parlait avec la responsable développement durable, Camille Janic, du CNL. Dans les statuts mêmes du CNL, ils ne peuvent pas juger un livre sur son contenant, mais uniquement sur son contenu. Mm-hmm. Donc peut-être va falloir faire bouger les choses. Et nous, dans notre toute petite maison d'édition, vraiment de façon très modeste, on a fait des génériques de fin, tout simplement, pour nous achever d'imprimer. Mm-hmm. Parce que le cinéma a cette politique depuis extrêmement longtemps, voire même les films d'auteur, c'est au début, générique de fin, pour être sûr que les spectateurs lisent qui a fait le film. Voilà, donc nous, on a des achats d'imprimés interminables, mais on en est assez fiers et on met même le grammage, le papier, le nom du chef de la machine offset, et on va très très loin. Il faudrait que sur Livreco, vous retrouvez aussi beaucoup d'infos, parce que c'est vraiment de cette culture-là qu'on est parti. Et on espère que donc, le CNL, l'ADEME ou d'autres représentants de l'autorité publique pourront apporter des choses quantifiables. Je ne parle pas d'un yuka du livre. Non, livre, ça se juge sur son contenu, pas sur son contenant. On ne va pas mettre des Nutri-Score, on ne va pas mettre un Edi-Score ou noter de A à E, vert, rouge, les bons, les méchants. Mais en tout cas, pour avoir un outil professionnel pour quantifier son impact et pouvoir valoriser ça de façon uniforme, concrète. Les bibliothèques, les librairies sont dans cette attente-là. Il y a une commission auprès de l'Association des bibliothécaires de France qui a lancé un peu la réflexion autour d'un label bibliothèque verte sur d'autres enjeux. Voilà, c'est ces mouvements communs et l'Association pour l'écologie du livre, je pense, le porte très bien et pourra le porter avec plein d'autres partenaires. C'est ce qu'on attend en tout cas.
Christian, par rapport au fait que vous éditiez, comme vous l'avez dit, du beau livre, et que ça obéit à des contraintes particulières, vous ne pouvez pas toujours déroger au grand code du genre, comment est-ce que vous rebondissez sur ce qu'ont dit vos confrères et consoeurs éditeurs, éditrices, par rapport à la qualité, au prix, à la localité, etc. Pour imprimer localement, ce qui est quand même beaucoup mieux, il faut des imprimeurs qui sont équipés en impression et en façonnage. Ils sont plus rares qu'avant, évidemment. En Belgique, on en trouve et ils sont pas loin. Donc, on n'a pas un mauvais choix quand on fait faire chez eux à un prix quand même supérieur à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que justement, ils sont intégrés. Et s'ils ne sont pas intégrés, le prix monte énormément puisqu'il faut transporter les feuilles et les faire à distance et les ramener ensuite quand le livre est façonné complètement. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes de proximité, bon, sauf peut-être pour les gens du Sud, mais ils peuvent aller en Italie. Nous, on peut aller en Belgique jusqu'au moment où en France, on trouvera des prix beaucoup plus raisonnables. Oui, ce qui est assez cohérent. Je vous propose on a quelquefois 30% d'écart quand même. Hein. Oui, c'est quand même. Monsieur Sanero, encore aujourd'hui, on peut trouver 30% des cas. Hein. Ouais. Ah oui, encore, oui. C'est ça le problème. On a fait affaire à un Leporello en France. On a réussi à tout faire en France dans un parcours logique entre l'imprimeur, le relieur et nos stocks. C'était vraiment très très compliqué. J'ai gardé exprès le fichier Excel de comparateur des prix de tous les devis. Oui. Effectivement, on est de l'ordre de 30 à 35% parfois de différence entre deux imprimeurs français. C'est énorme. Et évidemment, si vous ne vous intéressez pas et si vous ne faites pas la démarche vous-même de contacter le façonnier, celui qui va s'occuper de la reliure, vous ne savez pas exactement quelle marge est faite sur les prestataires, les sous-traitants. C'est très très compliqué, c'est des boîtes noires. C'est pour ça que nous, on essaye de proposer une formation assez concrète sur le guide de relations éditeur, éditrice, imprimeur, pour justement savoir comment faire son allié principal, parce que c'est cette personne qui vous donnera tous les éléments de traçabilité en amont de la chaîne du livre, et c'est cette personne qui n'est pas juste un noircisseur de pages, mais justement qui pouvait vous aider à concevoir un projet de la façon la plus vertueuse et économe possible, parce que l'écologie, c'est aussi de la frugalité, de la sobriété, donc on peut gagner en matière première et du coup gagner en financement. Il y a un point à souligner. Oui, il y a un point à souligner, c'est-à-dire si on prend la communauté européenne, la France est un marché au niveau du livre qui se porte plutôt bien, hein, avec une forme de stabilité, de légère régression. Enfin, mais on va dire qu'il y a une stabilité très forte et on va dire qu'après l'Allemagne, on est quand même le deuxième marché. Par contre, en matière d'impression de livres, la France n'arrive qu'en 6-7e position. Ouais. Donc ça montre bien un écart, un déficit sur l'offre, je dirais, imprimeur. Qu'on peut soutenir et qui peut progresser pour renforcer une impression, en tout cas régionale, voire locale. Bon, la stabilité, il y a une chute des ventes de livres depuis 10-15 ans qui s'observe. Donc c'est en perte. Mais en même temps, il y a eu 33% d'augmentation avec les crises mondiales. Donc en volume, il y a une perte constante. Oui. En valeur, c'est plus fluctuant. Il faut bien se rendre compte que ce n'est pas l'éco-conception qui va augmenter le prix du livre. Le livre est déjà en train d'augmenter. Vu qu'il y a moins de ventes, les énormes conglomérats éditoriaux augmentent leur prix des poches, des livres noirs qui ne sont pas chers à fabriquer, au fur et à mesure pour toujours garder cette marge confortable. Donc il y a vraiment ça qu'il faut bien prendre en compte. Ce n'est pas parce qu'on va faire du livre plus vertueusement qu'on va forcément augmenter le prix du livre. Oui, on va peut-être diminuer les marges, en fait. Oui, ce serait effectivement une chose à réfléchir. Répartir les marges. Oui. je vous propose qu'on fasse un petit tour des questions qui ont été posées jusqu'ici. Après, on reviendra sur la thématique en elle-même et notamment le fait de communiquer auprès des consommateurs et on va pas parler d'éducation, parce que je trouve le terme un peu dominant, mais plutôt de pédagogie, comment sensibiliser. Mais regardez les questions qui ont été posées. Alors, une première. Les acteurs professionnels nationaux sont-ils en mesure de répondre aux spécificités de chaque genre éditorial à l'impression de photographie, par exemple? C'était effectivement ce que vous disiez, Christian, par rapport aux livres d'art, un certain nombre de contraintes. Les éditeurs, éditrices, qu'en pensez-vous? Vous ne voulez pas vous prononcer? j'imagine par acteur professionnel, c'est ce qui est un imprimeur, façonneur,
graphiste. Est-ce que la question c'est la qualité de la photo, qu'est-ce que c'est un peu ce qu'on vient de dire. Oui, je pense que ça oui, ça en fait c'est il y a tellement de bouts pour le prendre, ça peut être la photogravure, ça peut être le papier offset, le type de utilisé, papier ou au contraire du bouffant ou du coucher pour la photo, c'est assez complexe, mais peut-être que vous avez mieux compris que moi. Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais en tout cas effectivement, il existe aujourd'hui encore en France un outil industriel qui permet d'obtenir de la qualité sur quasiment toute la production. Oui, tous les genres de. Or, effectivement, des ouvrages très spécifiques comme les pop-up, où là, bon, on a malheureusement un retard ou perdu un savoir-faire. Ou le tout carton. Comme expliqué à mon avis. Oui. Qui est faisable. Hein. On a des savoir-faire. Le pop-up, c'est si faisable, mais ça va être des coûts. Bien mettre à 40 euros pour un livre que vous vouliez vendre à 20. Un tout carton en 15-15, tu ne peux pas le vendre à 20 euros. Ce qu'on se disait ensemble, il y a l'Italie, l'Espagne qui font ça bien. Voilà. Oui. Si on parle de certains livres comme les livres jeunesse, on peut dire qu'il y a, je confirme bien ce que vous dites, c'est il y a une qualité d'auteur, d'intervenant dans la conception du livre en France qui est reconnue, et aussi la BD. Et je veux dire que pour le livre jeunesse est un livre qui séduit aussi beaucoup d'éditeurs à l'international. Et c'est vrai que ces dernières années, dans un marché plutôt stable, voire en régression, je suis bien d'accord, le secteur de la librairie jeunesse et de la bande dessinée s'en est plutôt bien tiré. Enfin, voilà. Oui, et puis avec la crise, le secteur, enfin la crise donc liée au Covid, le secteur de la bande dessinée a connu une nette progression à l'échelle européenne, notamment. Donc oui, il y a des intervenants de qualité. Je crois qu'il faut qu'on arrive aussi à bien les valoriser. On le voit quand on se déplace sur les salons à l'international. Je pense surtout au salon de Bologne qui réunit toute l'édition jeunesse de par le monde. On voit bien l'apport de l'édition française hein, par sa technicité et par ses auteurs. Oui, auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices qui sont effectivement très dynamiques et diversifiés en France. Alors là, au niveau des formations, justement, ça rejoint ce que je vous demandais, ce qu'on disait ensemble. Est-ce que dans les filières universitaires dédiées à l'édition, on sensibilise les étudiants à la cause écologique? Existe-t-il des cours spécifiques? Je suis désolé, je suis un peu bavard, je me permets. J'ai été diplômé en 2018. Mais voilà, c'est ce qu'on disait, vous étiez... Du bas de mes 26 ans, je suis ravi de participer avec la réflexion, mais c'est vrai que pour l'université... j'en sors donc il y a 3 ans au master de politique éditoriale de Paris 13, donc qui est à Villetaneuse, qui est finalement le master en apprentissage d'édition française le plus ancien. Nos amis ont fait la Sorbonne, ou Saint-Cloud, ou Cergy, ou maintenant Toulouse, Bordeaux, Strasbourg. Voilà, il y a énormément d'IUT, métiers du livre, de master qui se créent, et nous on a fait en alternance, en apprentissage, dans des maisons d'édition justement de taille variée. Il y a niveau 0, 2018. Vraiment, il y a un niveau zéro de prise de conscience de l'impact sur la production. On recense un peu tous les masters maintenant. Donc on a une petite bibliothèque, si ça vous intéresse, nous, maintenant, de mémoires d'étudiants et d'étudiantes qui viennent vers nous, qui nous interviewent. Thomas, je pense que tu as été extrêmement sollicité aussi. Donc qui recensent ça, qui prennent chacun un angle. Donc c'est vraiment la recherche toujours française qui, malgré les réformes, reste très riche. Donc on a une bibliothèque de plein de mémoires comme ça, d'étudiants et d'étudiantes. Marion Carvalho, la cofondatrice de Livreco, avait fait justement un mémoire aussi sur ce sujet-là. Donc ça se développe par les étudiants et les étudiantes. Oui, je pense que de plus en plus, ça va venir. je ne sais pas si Thomas ou d'autres ont été déjà des masters qui ont peut-être demandé qu'ils interviennent, mais moi, a priori, c'est quand même plus des étudiants et des étudiantes que des institutions. Georges, vous avez... il y a un grand mouvement, enfin, c'est une association à laquelle je participe un tout petit peu, qui s'appelle le Campus de la Transition. Je vous conseille d'aller sur leur site. À l'origine, c'est une démarche qui a été faite par des enseignants-chercheurs d'universités, de grandes écoles. C'est surtout parti de l'ESSEC avec Cécile Renoir, mais aussi Polytechnique, Centrale. Ils ont réfléchi ensemble sur ce qui manquait aux formations d'origine dans ces grandes écoles pour aborder la complexité d'une époque de transition. Voilà. Alors, ce n'est pas spécifique au livre, mais le livre pourrait très, très bien y trouver sa place en complément des formations, je dirais, qui sont de grande qualité en France. Voilà, le campus de la transition, à la limite, ça concerne toutes les industries, donc ça concerne aussi le livre.
Et là, c'est une démarche très académique qui aujourd'hui propose des cursus de formation plutôt complémentaires et qui attire beaucoup, beaucoup les jeunes. Et puis, j'exagère un peu, il y a une directrice de fabrication qui travaille à Bordeaux, qui s'appelle Isabelle Godon, qui travaille pour toutes les maisons d'édition les plus vertueuses en France, qui est enseignante. Donc, ça vient aussi beaucoup par les anciens et enseignantes, plus que par les architectures, les CUE, ou en tout cas les structures des formations. C'est plutôt des gens qui font des veilles pour leurs valeurs personnelles et qui les appliquent dans leur métier. Mais c'est vrai qu'il y a peu de programmes communs de dire on va absolument faire cette UE dans cette formation du livre, de la presse, voilà, parce que, il faut qu'on commence à y aller. Voilà, je suis désolé, j'étais un peu dans l'hyperbole. Très bien. Est-ce qu'il existe une charte de l'environnement spécifique à l'édition? Est-ce que c'est en création? C'est en réflexion. Alors, nous avions, effectivement, établi avec les éditeurs écolo-combattibles une charte en 2010 pour justement présenter les différents critères qui, selon nous, permettaient d'obtenir ce statut tout à fait officieux d'éditeur écolo-compatible. Et donc, on avait dégagé 5 critères, dont ceux que j'ai indiqués en début de table ronde. Voilà, mais de chartes officielles qui indiqueraient ce qu'est un éditeur respectueux de l'environnement, en tout cas au niveau d'une institution comme le CNL, non, ça n'existe pas encore. Il y a les 7 recommandations du SNE que vous avez fait avec Jean-Luc Ferrante aussi. Il y a les recommandations du SNE, mais qui restent, à mon avis, encore très évanescentes. Mais Camille Janic du CNL, donc, qui est responsable développement durable, nous parlait justement d'une charte en réflexion pour justement faire signer les partenaires, vraiment sur le modèle de ce qui s'est fait dans le vestimentaire et la mode. Oui, par d'accord. exemple, avec les galeries Lafayette récemment, je ne sais pas si vous avez vu passer cette information. Quel engagement ça prendra, quelle forme ça prendra, on ne sait pas encore. Mais ça a été amorcé voilà, déjà quand même. Elle interviendra avec la rentrée, avec Mobilis justement, pour parler de ces questions-là. Donc on attend de voir effectivement que les... Il y avait Laura qui voulait avant que Thomas prenne la parole. Non, sur une charte, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de charte, une seule charte figée, quoi. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Je pense qu'on travaillera forcément à une charte aussi au niveau de l'association pour l'écologie du livre, mais bon, l'idée, c'est pas forcément de figer les choses. Il y a le SNE qui s'est engagé aussi sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Il y a 17 engagements qui sont au niveau global des engagements très très généraux, mais voilà, après, c'est un engagement, on va dire, ça veut rien dire et tout dire, quoi. Ce sont des objectifs très très généraux, donc ensuite, c'est qu'est-ce qu'il y aura comme action très très concrète qui peut aller derrière, parce que les engagements sont quand même suffisamment larges pour que, pour qu'on puisse s'engager assez facilement, on va dire. Donc ça demande à être vraiment suivi des faits, quoi. Je crains que Laura ne mette le doigt sur un point important qui est que l'écologie dans le monde du livre reste un sport de combat et que effectivement derrière des déclarations d'intention il y a la réalité des faits et sans aucun doute une volonté aussi de noyer le poisson pour éviter des remises en question qui seraient une remise en question du fonctionnement même de notre économie de l'offre, de ce système capitaliste, si vous bien prononcer son nom, qui favorise l'enrichissement de quelques-uns au détriment De beaucoup, beaucoup. D'autres. Et donc, il y a un moment où il faut effectivement pointer ce souci de quelques institutions d'entretenir et de faire accroire que tout va bien dans le meilleur des mondes, continuer de dormir, Madame la Marquise, parce que, en fait, par exemple, le pilon, il n'y a pas de livres qui sont détruits en France. On entend ça quand même. Ils sont recyclés. Tout est recyclé, donc il n'y a pas de problème. Or, je me permets quand même de signaler ce livre, Recyclage, le grand enfumage, de Flore Berlingen, qui indique à quel point on est dans une destruction de valeurs énorme, et pas seulement en l'occurrence symbolique, puisqu'on sait que le livre a quand même à nos yeux une valeur différente d'une savonnette, et malgré tout... Ça dépend des livres. Oui, ça dépend des savonnettes peut-être aussi. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a, il y a là vraiment matière à réflexion, et donc non, on ne peut pas considérer que parce que
les livres qui sont effectivement détruits donnent lieu à un recyclage. Il y a aussi, je rebondis, détruit le recyclage, mais le coût carbone et oui. environnemental du recyclage. Bien c'est bien sûr. De se donner bonne conscience en recyclant, ce que dit cette autrice dans, votre, dans ce livre. Ouais, c'est le coût concret, financier et environnemental du recyclage. Donc, c'est ce que, bon, il vaut mieux recycler que jeter, mais il faudrait limiter en amont et ça rejoint ce que pourquoi détruire enfin, au final parce que ça peut très bien passer dans un marché à la fois ou d'occasion ou dans la solidarité, etc. Enfin, il n'y a pas lieu de détruire. Oui, après la difficulté aujourd'hui, c'est pourquoi détruire ? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des livres qui sont produits qui n'intéressent personne. Quoi. Voilà. Bien sûr. Oui, et notamment, concrètement, c'est un peu un comble, sur l'écologie. Enfin, les rayons écologie en librairie, vous le disiez, ont connu une expansion assez impressionnante. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments, ça peut m'arriver en librairie, de voir 10 livres sur le zéro déchet. Est-ce qu'il n'y aurait pas des questions à se poser C'est certain qu'il se marre là que... La grosse difficulté qu'on peut retrouver en librairie, c'est que comme on est amené à acheter, comme on le disait tout à l'heure, 60 000 nouveautés par an, de pouvoir faire son choix dans ces 60 000 nouveautés, ça demande quand même déjà d'être quand même assez sioux. Hein. Donc, ce sont des libraires expérimentés qui arrivent quand même à être bons dans leur choix malgré l'offre pléthorique. Néanmoins, ça n'empêche pas que le système est construit aujourd'hui d'une telle manière que un libraire qui veut pouvoir vivre doit travailler l'office. Et il ne peut pas refuser tous les livres à l'office. Donc il y a quand même une vraie pression commerciale et que d'un côté on a des libraires qui sont clairement, enfin dans l'ensemble quand même plutôt, alors on ne parle pas peut-être des grosses chaînes qui ont des acheteurs formés aux techniques d'achat, mais sinon on a des gens qui sont plutôt dans un achat très artisanal avec zéro moyen de contrôler ce qu'ils achètent hein, parce que globalement quand on est libraire on achète sur des bons papiers et donc on sait même pas combien on a acheté hein, donc on achète vraiment de manière très artisanale et de l'autre côté on a effectivement 90% du marché qui est détenu par des entreprises relativement importantes qui forment leurs commerciaux. Les représentants sont des gens formés aux techniques de vente et qui sont là quand même à la fois, certes, pour être en adéquation avec leur marché, mais aussi pour vendre des livres, quoi, simplement. C'est ce que disait très bien Thomas, c'est qu'effectivement, il y a un système à revoir. C'est le système qui ne fonctionne plus. Et donc, même le système d'office est absurde. Je vous conseille le livre paru récemment à La Fabrique sur la petite histoire de la librairie française qui montre comment ça s'est créé. Et c'est de l'agression capitalistique, hein, le système d'office de la librairie. Au-delà de ça, il y a ce système de livres clones. Tu parlais de livres de reproduction qui, effectivement, crée la surproduction. J'entends parfois que ce sont les petites maisons d'édition qui impriment trop peu, donc ça coûte trop en énergie et qui ne vendent pas du tout. C'est eux qui sont responsables du réchauffement climatique. Oui, ils sont aussi responsables, selon certaines grandes maisons qu'on n'entend pas pour faire de pub, de cette fameuse surproduction éditoriale. Parce qu'on a un modèle en France, qui est extrêmement riche, parce qu'il y a plein d'avant-garde éditoriales. Parce que faire un livre aujourd'hui, il suffit d'un ordinateur et des bons logiciels. Il y a 1 million de façons différentes d'être éditeur et éditrice grâce à ça. Mais vraiment, ce sont les livres clones, des personnes qui veulent récupérer les miettes d'un best-seller ou d'un long-seller, qui créent cette surproduction et ces 63 000 nouveautés par an. Je reviens juste sur le fait qu'effectivement, les mots sont performatifs. Le système en lui-même, par son argumentaire, nous performe. Et finalement, c'est plutôt une logique oxymorique de développement durable qu'il faut peut-être remettre en cause. Parce que développement durable, c'est toujours cette métaphore de la croissance infinie dans un monde fini. Peut-être que c'est là qu'il faudrait vraiment retravailler les choses. Oui, de sortir un peu effectivement du champ de développement, enfin du champ marchand. Une question et puis valoriser aussi la création éditoriale, parce que ça peut effectivement... Enfin, moi, quand j'ai commencé dans l'édition, j'étais libraire avant, mais quand j'ai commencé dans l'édition, effectivement, quand je parlais de création en édition, on regardait avec des grands yeux, et en fait, finalement, on s'imagine l'éditeur avec son gros cigare derrière son bureau, j'aime bien dire ça, mais en fait, en gros, c'est ça, quoi. Souvent, c'est un mec, d'ailleurs, évidemment. Et ben voilà. Mais c'est pas ça, en fait, être éditeur, c'est vraiment créer des livres, et effectivement, se démarquer en librairie pour faire quelque chose qui va se vendre, oui, mais qui va plaire aussi. Et qui va apporter quelque chose, tout à fait. Oui, il y a gestionnaire de la culture et il y a créateur. Ben voilà.
Par rapport à cette question, Christian, de l'éditeur qu'en tant que créateur, dans la mesure où en plus vous éditez, vous l'avez dit, une majorité de beaux livres, comment est-ce que vous vous positionnez sur cette définition de l'éditeur ? Il y a toujours une dimension de créateur dans l'activité d'éditeur, puisque, comme vous le disiez très justement, ce n'est pas comme un livre d'auteur qui est le travail à 100% d'un auteur. Là, nous avons un travail de deux personnes, qui est un photographe et puis un rédacteur, donc, ou un écrivain. Donc, il faut gérer ça et apporter la créativité maximale pour que le livre se vende. Qui est une singularité, que vous parveniez à construire et dégager une singularité pour que ce ne soit pas le fameux livre de plus qui est un peu la... Bon, certains éditeurs, ça ne les dérange pas, mais disons que les éditeurs indépendants essayent d'éviter de tomber dans cet écueil. Oui, on y tient beaucoup d'intérêt. C'est le seul moyen pour nous d'exister, d'ailleurs. Un livre qu'ils n'ont pas, quand vous en faites 50, ça passe inaperçu, mais quand vous en avez quelques-uns, c'est tout de suite beaucoup plus grave. Oui, bien sûr. Il y a la question de Nadia qui permet d'articuler justement ce que je vous annonçais avant qu'on passe aux questions. C'est quelle importance les lecteurs et les lectrices accordent-ils et elles aujourd'hui à cet argument écologique ? Est-ce que vous avez chacun un peu différemment dans vos secteurs un moyen de vérifier, notamment vous, par les Sauvés du Pilon, les autres actions que vous menez ? Est-ce que vous avez pu mesurer ? Je pense que depuis 5 à 6 ans, les choses ont quand même beaucoup évolué au niveau du grand public, même si cette expression est un peu curieuse, puisque nous en faisons évidemment partie. Mais je pense qu'en tout cas, en Europe occidentale, en France en particulier, les canicules à répétition, les sécheresses, le fait que ces événements qu'on nous annonce depuis si longtemps, depuis 50 ans, pour certains. Puis on ne parle même pas des pandémies non plus. Voilà. Donc en l'occurrence, que tout ça quand même relève de la crise écologique majeure et qu'on va malheureusement tous en pâtir. Ça y est, c'est incarné, c'est une réalité, c'est dans nos vies quotidiennes. Et la démission de Hulot, la communication autour des rapports du GIEC, le fait que des grands médias aujourd'hui soient emparés de la question écologique, fait qu'on est monté en température et qu'il y a effectivement une prise de conscience très forte. Donc Laura l'évoquait, la création de rayons d'écologie à proprement parler dans les librairies, le fait qu'il y ait une offre de plus en plus importante sur ces sujets de la part d'éditeurs plus grande diffusion, mais aussi d'éditeurs indépendants qui restent sur leur créneau. Je pense que effectivement c'est en train de bouger, qu'il y a une sensibilité. Nous, par exemple, on a créé il y a déjà 6 ou 7 ans un petit picto qu'on met à l'arrière de chacune de nos quatrièmes de couverture, qui dit imprimé en France avec amour et passion, qui est juste un petit clin d'œil justement à nos imprimeurs très concrets et au fait que on préserve cette localisation de la production. Donc évidemment, ce sont des petites choses, mais oui, je pense que si aujourd'hui, par exemple, le zéro déchet est devenu cette mode absolument incroyable, c'est parce que il y a une aspiration au quotidien à évoluer, à agir autrement, à s'alimenter autrement, à se vêtir autrement, à se déplacer autrement. Donc ça, c'est une réalité. Après, on n'empêche pas les effets de reproduction qu'on a tous évoqués, mais peu importe, en fait, je pense qu'il y a quand même aujourd'hui, oui, une sensibilité incontestable à ces questions. C'est d'ailleurs des sondages très, très sérieux le disent, la principale préoccupation des Français, l'environnement. Alors le Covid est passé devant ces derniers mois, mais bon, je pense que l'environnement, puisqu'il est la cause de cette situation, très vraisemblablement, redeviendra vite de nouveau cette principale préoccupation. C'est avant tout sur de la communication, malheureusement, que ça se crée beaucoup. Parfois, des gens qui étaient éco-responsables et qui ne le disaient pas, et finalement qui enfin prennent les devants. L'explicite. Même si là, l'échec, c'était la base de la construction. Mais Nestlé et Delachaux, avec les éditions La Martinière, ont créé un nom. Alors, c'est un nom d'arbre, je crois, au départ. Voilà. Donc voilà, il y a un an et demi déjà, finalement il y a peu de suite. Le Duc Édition aussi fait beaucoup de communication là-dessus. Moi j'ai récemment vu Bébier, Flammarion Jeunesse pour les citer, qui mettent à la fin de leur livre que ce livre est fait avec du bois donc de forêt géré durablement, très bien, et des résidus qui sinon seraient brûlés.
Je ne sais pas d'où vient cette information, je ne sais pas pourquoi ils indiquent ça. Parfois, c'est pour faire peur un peu aux gens. Je ne, si vous voilà, pas vraiment si vous garantir quelque chose. Qu'il est écologique, hein, vraiment c'est un livre écologique. Faut faire attention, parce que justement, parfois, rien que de mettre le label imprime vert suffit. Les lecteurs, il y a une jolie petite feuille et voilà. Oui. Imprime vert, les gens savent de moins en moins ce que c'est, y compris les professionnels du livre. Certaines certifications ne sont pas reconduites, donc il y a des imprimeurs qui ne sont plus à jour sur le FSC, le PFC, l'imprime vert. Bref, voilà, il y a un manque de prise de conscience beaucoup, évidemment, de la chaîne du livre qui est tellement tentaculaire que c'est compliqué de parler tous les vocabulaires, c'est compliqué de suivre un projet de A à Z. Oui, d'expliciter chaque maillon. Voilà. Déjà, on disait tout à l'heure que parfois c'est un petit peu hermétique entre chacun, donc déjà ça complexifie la question, et donc pour arriver en tout bout de chaîne qui est les acheteurs, les acheteuses, c'est effectivement quelque part trop compliqué de tout expliciter, en tout cas pour le moment, et qui a vraiment un trajet pédagogique en fait. Ça manque de liens finalement dans la communauté professionnelle, et donc pour pouvoir l'expliquer clairement de façon ludique, pédagogique aux lecteurs et aux lectrices, c'est encore plus compliqué. La WWF a très bien montré sur l'étude Le Livre de la Jungle, sur l'étude jeunesse, où ils ont carrément dû passer au microscope certains papiers pour savoir exactement d'où ça venait, vu que le papier, comme vous le savez sans doute tous ici, mais peut-être moins les personnes qui nous écoutent, c'est un marché mondialisé. La pâte à papier, c'est très très dur de savoir où elle est faite. Les recettes changent toujours en fonction du prix de tel bois donc, à l'échelle mondiale. Et ils ont bien indiqué qu'en France, principalement, il y avait un déni du livre qui peut être jeté. On jette du travail, mais on jette de la pensée avec l'objet livre, qui est vraiment la loi langue a institué ça, c'est pas un produit comme les autres. Or, voilà, il y a des gens qui jettent quand même les livres et qui les trient pas au bon endroit. Donc, ils posent même la question de est-ce qu'il faudrait indiquer à la fin des livres ce petit logo qu'on connaît tous de tri des déchets. Oui, qui est recyclable. Voilà. Et exactement, et l'Alliance internationale des éditeurs indépendants se pose même la question de bien indiquer qu'il ne faut pas donner ce livre à n'importe quelle association, notamment aux associations africaines francophones, puisque vous venez écraser l'offre et la création éditoriale de ces pays en venant abonder de ces livres clones qui n'ont pas trouvé acheteurs ou acheteuses en France. Donc voilà, il y a plein de petits gestes, de réflexes comme ça à avoir, mais qui, s'il y avait plus de liens, grâce à l'Association pour l'écologie du livre, permettrait à tout le monde de, voilà, maintenant il y a une barrière mentale qui se fait, on ne fera plus ça. Oui, c'est ça. C'est... Et juste pour revenir à votre question initiale sur l'émergence, le développement de cette pensée écologique, au-delà du grand public, elle est aussi très saillante dans le monde universitaire. J'invite les auditeurs à aussi lire un livre publié par White Project qui s'appelle « Un sol commun » de Marin Schaffner, qui est d'ailleurs un des cofondateurs effectivement de l'Association pour l'écologie du livre, qui décrit très bien, en interviewant des libraires, des chercheurs, des éditeurs, comment cette pensée a émergé depuis 10 à 15 ans en France. Mm-hmm. Un excellent livre, Un sol commun chez White Project. Mm-hmm. Merci. Je pense qu'au niveau du grand public, en fait, on voit aujourd'hui, en tout cas en librairie, il y a des librairies qui sont très engagées, donc qui ont une clientèle très très engagée. Donc là, les gens sont sensibilisés à la où est produit le livre, à des choses comme ça. Dans la grande majorité des librairies, les clients sont pas tellement sensibles encore à ces sujets-là. Oui. Ils vont être plutôt sensibles dans un premier temps à toutes les actions concrètes, c'est-à-dire refuser par exemple les sacs pour avoir moins de consommables, voilà, des choses comme ça, les actions en fait qu'on peut mener aussi en supermarché, enfin comme dans n'importe quel commerce. Donc ça c'est un premier point. Et puis ensuite au niveau du grand public, il y a quand même une vraie tendance aussi à aller vers tout ce qui est, enfin, essayer de réfléchir à la circularité aussi des ouvrages. Donc peut-être travailler un peu la manière de pouvoir augmenter l'usage du livre en dehors de juste son côté livre neuf. Essayer de travailler sur une partie livre d'occasion. Mmh. Il y a certains libraires qui se sont emparés de ces sujets-là et qui ont mis en place des rayons de livres d'occasion, ou alors des brocantes pour une fois par an proposer des échanges de livres entre les clients. Voilà, c'est des sujets qui sont aussi un peu, pour le coup, qui préoccupent pas mal les consommateurs, en plus de l'aspect purement économique, parce que c'est vrai que ça peut avoir aussi un impact. Et puis ensuite, pour rebondir aussi sur la partie est-ce qu'on doit, comment recycler un livre, etc.
Il me semble qu'aujourd'hui, il n'y a pas de taxe, il n'y a pas d'éco-taxe sur le livre, puisqu'on avait considéré que, qu'en fait, on ne jetait jamais un livre, donc il n'y avait pas de raison qu'il y ait éco-taxe sur l'objet livre. C'est quand même une réflexion qu'on pourrait mener sur l'idée de se dire est-ce que ça nécessiterait pas quand même d'avoir de réfléchir à une taxe qui soit peut-être plus adaptée effectivement au mécanisme du livre, parce que c'est pas un meuble ou un vêtement, voilà, une savonnette. Néanmoins, peut-être que réfléchir à une manière de faire plus la promotion de la circularité dans la chaîne, et pourquoi pas affecter des moyens à cela, pourrait aussi être intéressant. Quoi. Au niveau des initiatives, je rebondis par rapport à ce que disait Laura. Vous aviez parlé tout à l'heure de cette braderie Sauver du Pilon. Faire un plus, hein, on va dire, aller plus dans le sens du reuse, donc réutilisation, que recyclage. Oui, tout à fait. Et également, vous m'avez parlé, donc, quand on préparait la rencontre, d'un partenariat avec Emmaüs. Oui, parce qu'en fait, donc, on a effectivement organisé 5 années de suite cette fameuse braderie Sauver du Pilon, qui a suscité de l'intérêt. Et nous, au-delà en fait, de la solution qu'on a trouvée de manière évidemment très marginale, puisque Rue de l'Échiquier est une goutte d'eau, pour trouver une nouvelle vie à nos défraîchis, quand même quelques milliers de volumes chaque année, on a constaté qu'en fait, on était au bout d'un système, parce qu'on a quand même des locaux qui, à Paris, dans le 11e arrondissement, ne sont pas très grands. Et de voir arriver 19 palettes de défraîchis apportées à nos frais par notre distributeur, ça fait quand même un coup, surtout à l'ensemble de l'équipe qui derrière doit évidemment se mettre en position de retrier, puisque les fameux défraîchis sont en fait pour 50% des livres en parfait état, oui. Des livres neufs. C'est un comble qu'on est amené à reconditionner en neuf, c'est-à-dire à renvoyer chez notre distributeur qui lui est supposé avoir fait ce tri initial pourtant. Bref, on récupère effectivement donc quand même des défraîchis en nombre important, et donc cette année, enfin l'année dernière, avec Anaïs et Mathias Echenet des éditions La Volte, on a rencontré effectivement le responsable livre d'Emmaüs, avec qui on a imaginé une expérimentation qui consiste à leur donner nos défraîchis, donc c'est vraiment un don à la sortie de chez notre distributeur à Arles, et à lui pour charge de trouver des issues évidemment commerciales sous la forme de revente au prix d'occasion de ces livres-là, avec de fait de la création d'emplois dans 150 à 200 centres Emmaüs en France, avec de fait aussi la possibilité pour le label, pour le site label Emmaüs, de référencer nos ouvrages abîmés. Et voilà. Et donc on va voir, là on a eu un premier état de la distribution de ces défraîchis en début d'année. On attend un point un peu plus complet de façon imminente. Et l'intérêt, c'est évidemment de se dire que si cette expérimentation fonctionne, pourquoi pas d'abord la renouveler, puis en donner aussi la possibilité à d'autres éditeurs intéressés par l'idée de ne pas envoyer effectivement au pilon leur défraîchis. Je ne parle pas des invendus, hein, Laura, tu as raison, il y a aussi évidemment des invendus. Oui, c'est encore autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez, Christian? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisageriez avec les défraîchis de votre maison? On en a très peu. C'est très bien de dire ça, mais pour le moment, on n'a pas encore de gros problèmes ni d'invendu ni de défraîchis. Mais ça commence à arriver. Donc c'est pour ça que je me suis inscrit à cette émission. Parce que c'est depuis un an que ça arrive. Voilà. D'accord. Donc oui, c'est pour ça. Donc il y a un grand changement par rapport à avant. Ça fait 20 ans qu'on n'en avait pas. Et puis là maintenant, ça commence à arriver. Donc c'est inquiétant quand même. Oui, c'est on peut se poser la question du pourquoi. À part les ventes qui baissent. Il n'y a pas que ça, je pense. Il y a autre chose. Oui, c'est
peut-être vous avez observé Nous, on voulait au départ sur Livreco, à moyen terme, proposer justement d'intégrer dans nos stocks des exemplaires défraîchis des livres qui sont référencés pour pouvoir, tout simplement pour le lecteur et la lectrice, pouvoir choisir neuf ou défraîchis. Oui, qui ne sont même pas des livres d'occasion, effectivement. Un défraîchi, il n'a même pas eu la chance d'avoir un premier livre. Il est passé entre les mains de quelqu'un. Voilà, donc on voulait un peu sensibiliser là-dessus, parce que pour l'instant, on est spécialisé dans la vente de livres éco-responsables neufs. Mmh. Je me permets aussi de souligner d'autres initiatives qui sont Recyclivre, que je n'ai jamais rencontré encore. Je laisse les gens aller se renseigner. Moi, je ne connais pas exactement leur système, même s'il y a quand même de la réinsertion avec des employés justement handicapés. Bon, c'est un gros hangar, hein. Beaucoup de libraires les jugent comme un Amazon français. Donc, à voir, je ne connais pas. Et surtout, le livre de proche, qui est une initiative que j'ai vue récemment grâce à une bibliothécaire barcelonaise francophone, qui est finalement une application pour justement du prêt de livres entre particuliers, pour faire circuler sa propre bibliothèque, répondre à Laura justement sur la vie d'occasion. Voilà, le livre de proche, je vous invite à aller voir, c'est très intéressant. Merci, je note. Amandine, avec donc votre maison vous est d'ici, vous, est-ce que vous avez du retour, du défraîchi, du pilon? Comment est-ce que vous gérez ça? On n'a quasiment pas de retour, mais on vend des très très petites quantités aussi, donc on n'a pas de retour. Voilà. C'est un élément en 4 ans, pour l'instant, on n'a pas pilonné, on a nos stocks, ça devient un peu volumineux, on garde espoir. Parce que ça n'y a pas besoin d'un... Ouais, tout à fait. Non, mais en fait, on a... Alors, je dis ça, mais ça fait 6 mois maintenant, on travaille sur un collectif de diffusion, distribution avec 4 autres éditrices de la région, mm-hmm. Pour justement... Vous avez avec Aubryard notamment. Oui, tout à fait. Avec Aubryard, avec Courtoujour, avec Pera Édition et avec Léon Ternier. On s'est mis ensemble, en fait, et on a créé un collectif qui s'appelle Tonic Diffusion. Et on a... on a embauché une diffuseuse, donc effectivement, du coup, à 5, c'est mieux. Mm-hmm. Et donc, on espère aussi... on compte aussi là-dessus pour pouvoir un petit peu rentrer encore plus dans la professionnalisation du livre sans être à l'extrême, évidemment. Et après reste le problème de la distribution, mais ça c'est gros comme sujet. Alors, on peut en parler, mais... on va prévoir une autre table ronde. Voilà, je pense qu'on va faire une autre table ronde. En parlant d'impression de stock et de pilon, Julien pose la question, l'impression à la demande est-elle une bonne alternative au pilon? Quels sont les avis que vous pouvez avoir? Moi, dans mon cas, ce n'est pas possible. C'est vraiment des livres objets, des choses qui sont réellement atypiques et du coup, l'impression à la demande n'est pas possible. C'est des immenses hangars. Hein. Voilà, Hachette a investi ça avec la BNF, notamment pour des livres pour les chercheurs, justement pour faire l'impression à la demande. C'est énergivore à l'extrême. Mm-hmm. C'est évidemment pas tous les livres qu'on peut faire. Mm-hmm. Tous les papiers, toutes les couvertures ne passent pas. Tous les types de façonnage ne passent pas. Mm-hmm. Et c'est une économie très particulière. Quoi. Effectivement, envoyer un livre par un livre, l'imprimer par un... Pour voir le bilan quand même énergétique. Oui, est-ce que ça ne pose pas un autre problème en résolvant un? Et puis bétonisation des sols, il faut les hangars pour ça. Oui. Donc pourquoi ne pas s'appuyer sur les parcs magiques qui existent déjà et investir dans des machines extrêmement coûteuses en énergie, en argent? La question est posée, je ne suis pas expert de la question. Il y a une initiative de membres de l'association pour l'écologie du livre dont on parlait il n'y a pas longtemps dans le Lot. Donc à l'échelle du Lot, visiblement, ils ont pu échanger sur leurs problématiques et voir comment un petit peu réfléchir à améliorer les différentes manières de faire. Et une des idées qui avait émergé, c'était d'acheter une machine pour pouvoir imprimer localement, en fait, à la demande, mais avec une logique un peu locale, en fait, pas une logique d'imprimer pour ne pas stocker, mais plutôt une logique de ne pas faire de transport, en fait. D'accord. Après, c'est des débuts de réflexion, parce qu'après, il faut encore avoir le droit d'utiliser les fichiers. Donc, ça, c'est pas quelque chose qui était abouti. Mais en tout cas, pourquoi pas? Enfin, ça peut être une manière d'utiliser l'impression à la demande pour finalement... faire moins de transport, quoi.
Oui. On peut rêver d'un avenir où les libraires auraient tous et toutes des imprimantes 3D qui pourraient faire un livre comme ça à la demande. Effectivement, la technique n'y est pas encore. C'est LL de Mars qui disait ça dans La Commune du Livre, qui a été paru chez Adverse Éditions, je vous invite à lire. Georges, vous souhaitez rebondir sur... Non, parce qu'il y a une initiative qui a été présentée au dernier Salon du Livre de Paris, Salon physique, hein, oui, qui était Guy Erwan, qui est une initiative française, il faut la souligner, d'imprimeur, donc une proposition uniquement française qui permet de régler certains problèmes d'acheminement du livre, notamment pour les territoires un peu d'outre-mer, hein, éloignés. C'est vrai que cette impression à la demande devient une solution assez pertinente. Par contre, vous savez, et je trouve que c'est intéressant, si demain ce type de procédé pouvait se généraliser, il faudrait vraiment s'interroger pour savoir où il se situe. Est-ce qu'il se situe dans les bibliothèques? Est-ce qu'il se situe dans les librairies? Est-ce qu'il se situe chez les diffuseurs-distributeurs? Là, il y a un point politique de l'accès aux livres qui sera très important. Mais pour finir, je vous invite à aller voir l'Exérographe, une petite maison d'édition très ancrée dans le 18e, ouais, quartier de la Goutte d'Or, qui s'appelle l'Exérographe parce qu'ils ont imprimé sur des imprimantes Xeros de bureautique. Hein, voilà. Oui, oui. Donc pour peut-être inspirer les membres de l'Association pour l'écologie du livre dans la LOT. Nous, finalement, à ce propos, on investit dans un rhizographe. Donc, qui est un duplicateur réseau, tu vois ce que c'est? Ouais, mais c'est très trop long, la réseau. c'est des cartouches comme ça dans un lavoir pour une couleur. Ouais, oui, mais tu recharges. Hein. Oui, mais tu fais des déchets. Mais c'est très beau, des déchets, mais c'est des déchets de riz. Ah oui. Après, je sais pas. Tu as l'air de t'y connaître beaucoup plus que moi, mais. Studio Fidèle à Paris qui font de la formation sur la réseau, ouais. C'est super intéressant. Mais voilà. Et du coup, on s'est dit qu'effectivement. On va continuer à travailler avec des imprimeurs, mais on va aussi essayer de faire un tout petit peu de do it yourself. Oui. Et puis, pour des petits tirages, pour effectivement des livres de recettes, mais des choses, voilà, des choses. Livres objets en plus. Des livres objets, effectivement. Donc, essayer d'avoir un peu une économie mixte à ce niveau-là, essayer de faire effectivement bosser les imprimeurs, mais aussi imprimer par nous-mêmes de façon. Et puis, le but aussi, c'est de mutualiser cette machine et de faire. Intervenir même d'autres éditeurs, oui. Des illustrateurs, oui. Des artistes, etc. Enfin, voilà. Oui, monter des projets ensemble. Exactement. Et les partager. Oui, tout à fait. Ouais. Laura, vous souhaitiez parler des éco-fictions, là, puisqu'on est dans le côté un peu créatif, etc., qui sont proposées par, l'Association pour l'écologie du livre. Alors, l'Association pour l'écologie du livre a fait un travail important d'atelier en fait, d'éco-fiction, et puis il y a encore aujourd'hui des ateliers qui sont montés. L'idée c'est quoi? C'est tout simplement de prendre un moment pour imaginer des futurs tels qu'on pourrait les souhaiter. Voilà. Et donc, on a un petit livre qui est sorti l'année dernière qui s'appelle « Le livre est-il écologique ?» qui regroupe à la fois des entretiens de professionnels du livre, mais également donc, l'ensemble des textes des éco-fictions. Et donc, c'est assez... c'est beaucoup de points de vue de libraire, mais c'est intéressant de voir que, en fait, quand on se pose et qu'on se dit, voilà ce dont on pourrait avoir envie et dans quel monde on aura envie de vivre, ça a un pouvoir, je pense, d'entraînement, et notamment vis-à-vis du grand public. C'est donner envie, en fait. Et je pense que c'est là le pouvoir de toutes ces éco-fictions. Et moi, pour rebondir sur ce que disait Georges tout à l'heure, j'ai été au campus de la transition. Et c'est également une technique qui est utilisée au campus de la transition. Donc c'est quelque chose en fait qui fait écho sur la transition d'une manière générale. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce monde-là n'existe pas, malheureusement. Hein, voilà. Mais néanmoins, on a déjà énormément de potentialités. Et si on se met ensemble pour y réfléchir, en fait, on est déjà en train de cheminer vers. Voilà. Oui, il y a déjà un mouvement qui est donné. Je confirme totalement, je trouve que c'est une très belle illustration. Il faut passer par des récits utopistes à écrire ensemble pour pouvoir apprivoiser un futur qu'on ne connaît pas. Et
Je trouve que l'initiative, elle est pour les enfants totalement fondée. Mais pour les enfants et pour les adultes. Ouais. C'est pas que pour les enfants. J'ai pas vu d'enfants. Parce que les enfants, ils y arrivent facilement, en fait. Oui, on pourrait faire un récit utopique avec les acteurs de la chaîne du livre. C'est assez amusant. Bah, hein, et quelle que soit la taille des groupes qui agissent sur nos plateformes et sur les maisons d'édition. Donc je vous engage à lire donc le livre est-il écologique, puisqu'il y a quelques éco-fictions qui sont vraiment, vraiment chouettes à lire. Voilà. Et vous parlez d'imaginer des futurs, c'est un petit peu au sens large ce dans quoi on est maintenant, puisqu'on est confronté à une situation qui est inédite, qui amène des angoisses et des problèmes inédits. Est-ce que, bon là de manière un peu théorique, mais si jamais, selon vous, la chaîne du livre avait été déjà un petit peu plus vertueuse, hein, pour employer un mot un peu concept, est-ce qu'il y a des problèmes qui ont été soulevés par la pandémie qui auraient pu être limités, voire évités, si jamais ça avait été déjà plus structuré, plus écolo, plus vertueux, plus local, plus tout ça Charles, si vous voulez... Oui, c'est pas facile. Moi, je pense vraiment et le projet Livre Éco est vraiment est né du premier confinement. Vraiment, c'est avec la cabane bleue et la tête ailleurs qu'on, déjà sur Salon Festival, on réfléchissait à ça et qu'on a essayé de répondre à une demande, un besoin de professionnels. Pourquoi du premier confinement? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte, librairie fermée, à quel point, comment on fait circuler le livre sans espace physique, mais aussi comment les libraires étaient étouffés, étranglés par la dette qu'ils génèrent auprès des diffuseurs-distributeurs. Nous, on nous demande presque finalement de devenir un peu diffuseurs-distributeurs 2.0 alternatifs. Nous, on a 26 ans, on n'a pas les capitaux et c'est un peu irréconciliable avec une démarche TAMAP, une démarche d'économie circulaire, de devenir un diffuseur-distributeur très gros qui peut diffuser nationalement voire internationalement, mais du coup l'objectif était justement de se dire cette remise accordée à un diffuseur-distributeur, cette logistique de camions qui sillonne le pays et les retours, les offices est un peu absconce, quoi. C'est vraiment pas vertueux pour le coup. Oui, pour le coup. Donc on a essayé de singer vraiment ce qui se fait dans l'alimentaire, mais même le cosmétique et le vestimentaire aujourd'hui, avec cette inspiration d'AMAP, de vraiment l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Nous, au départ, on voulait presque être l'association pour le maintien et le développement de, la lecture, de l'édition éco-responsable. Voilà. C'était un peu trop long comme acronyme, alors on a changé. Mais vraiment, notre inspiration est là et c'est vraiment avec ces partenaires-là, avec qui on intervient conjointement. D'ailleurs, au niveau parisien, il y a La Ruche qui dit oui, il y a Quel Bongo, qui ont ce système de restitution dans des tiers-lieux partenaires culturels ou alimentaires, où justement, vous pouvez venir récupérer vos commandes, passer en ligne. Donc, toujours être sur quelque chose de complémentaire entre le non matériel, quoi, qui est l'internet. Oui. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs le site de White Project, qui ont réussi à faire une économie très intéressante. Il faut cliquer sur la couverture pour voir le livre. Mm-hmm. On a essayé d'éco-concevoir notre site avec ce qu'on pouvait, c'est-à-dire faire des choses sobres, avec peu de fonctionnalités, mais des fonctionnalités qui marchent bien. Mais d'être présent physiquement, donc effectivement, avec ces systèmes de restitution, ces systèmes de librairie itinérante, pour diffuser et distribuer le livre autrement. Est-ce que vous, Thomas, vous avez quelque chose? Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que c'est une crise, en tout cas, qui a été très féconde en discussion, en tribune, en initiatives multiples et diverses, de la part en particulier des éditeurs indépendants, pour parler de ma chapelle. Et j'ai trouvé ça passionnant au sein de l'Association pour l'écologie du livre. On a eu aussi beaucoup d'échanges liés à cette situation unique, qui finalement nous met face à la réalité de notre monde et à ses limites planétaires. Donc tout à fait intéressant. Et à l'échelle par exemple de Rue d'Échiquier, moi j'ai eu le sentiment d'être rattrapé par la patrouille. On a un éditeur indépendant qui a plutôt bien progressé ces dernières années, à tel point qu'effectivement j'en étais venu paradoxalement à croître malgré tous les beaux discours qu'on peut effectivement publier, et à constater que on ne s'en sortait plus, quoi. À 36 nouveautés par an comme on en avait fait en 2019, c'était devenu extrêmement lourd pour tout le monde, pour l'équipe, pour moi-même. Et en fait, on est revenu contraint et forcé à 24 nouveautés par an en 2020, et on reste sur cette vitesse aujourd'hui de croisière. C'est-à-dire qu'on a aussi appris très concrètement à envisager différemment et de façon peut-être plus sobre notre activité.
D'accord. Voilà, je ne réponds pas totalement à la question, oui, je vais oui, y retourner. Même, ouais, c'est un élément. Il y a une question de Delphine qui dit, sur le plan social, quels engagements pour un éditeur, un libraire? Bon, on va commencer en librairie et revenir ensuite aux éditeurs. Laura, si jamais... L'engagement social, bah, il peut prendre plein de formes. Donc, encore une fois, ça va dépendre de la taille de la librairie. Et puis, qui est derrière la librairie, bien sûr. On voit bien qu'aujourd'hui, la crise, elle a clairement montré ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai plébiscite pour les petites, moyennes librairies. Les librairies de quartier, les librairies globalement où les libraires sont très engagés. On a une tendance, mais qui n'est pas encore énorme, qui est tout ce qui est plutôt mutualisation. Donc, par exemple, les librairies sous forme de coopératives, voilà, des choses comme ça. Il y a clairement la question des salaires qui peut être importante, parce qu'en fait, c'est un métier qui est extrêmement mal payé. Donc, c'est dans la chaîne du livre, c'est de toutes les manières, de tous les commerces existants, c'est le commerce qui gagne le moins d'argent. Hein, oui, donc, de tous les, voilà, donc en moyenne, c'est 0,6% de résultats. C'est vraiment, et c'est une moyenne, hein, donc ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui se payent quasiment pas pour juste ouvrir leur librairie. Donc, il y a la question, bien sûr, de la rémunération. Qui est importante parce que bah, si on veut fidéliser des libraires, que les gens s'investissent dans le métier sur la durée, bah, la rémunération elle est un enjeu, bien sûr. Donc c'est un point important. Au niveau ensuite, qu'est-ce que au niveau social, oui, je pense que c'est essentiellement un des gros enjeux sur ce métier-là. Ensuite, il peut y avoir la mutualisation qui est un élément très positif. Si je reviens par rapport à ce qu'on avait dit sur l'impact de la crise, en librairie, le fait qu'il y ait eu des choses de mutualiser, par exemple... des associations qui permettent même aux tout petits libraires qui n'étaient pas du tout présents en ligne d'avoir leur stock en ligne pour pouvoir faire de la vente en ligne ou en tout cas du click and collect grâce à tous ces projets-là. Donc il y a Place des Libraires, Paris Librairie, Chez Mon Libraire, etc. Enfin, il y a toutes sortes de plateformes qui permettent de voir les stocks en ligne. Tout ça a permis à des tout-petits de pouvoir exister et de pouvoir faire des années correctes malgré une année très très compliquée avec 3 mois de fermeture de magasins. Oui. Donc voilà, on a cet aspect-là qui a été vraiment important. Et puis moi, je voulais juste revenir aussi sur l'impact de la crise. C'est vrai qu'il y a eu un moment où on s'est dit « Ah ben, ça va vraiment changer les choses, on aura beaucoup moins de nouveautés et on va pouvoir... » On va pouvoir passer ce temps-là à faire enfin ce qu'on adore faire, c'est-à-dire réfléchir à des thématiques, remettre en valeur du fond, enfin voilà, toutes ces choses qui animent vraiment, enfin en tout cas qui constituent une part importante et une part, on va dire, très intéressante du métier de libraire. C'est un peu encore passé à côté, mais ça chemine. Je crois que l'idée de... On va conclure sur les ouvertures et les perspectives un peu qui s'annoncent, mais de ce que vous avez dit tous et toutes autour de cette table et de cet ordinateur. Les choses sont déjà là, les réflexions sont lancées, et c'est un peu une question de volonté, de déterminisme et de mutualisation qui s'observe au sein de l'ensemble de la chaîne du livre. En fait, tous et toutes, vous pouvez avancer pas à pas, mais main dans la main... en mettant un peu de côté la vision capitaliste et les égos, et en réfléchissant un peu plus. Et de dialogue avec toutes les parties prenantes. C'est-à-dire que je pense que l'intérêt, par exemple, de cette association, c'est de susciter des demandes de contact, oui, et des débats avec des acteurs dans ce monde-là, avec lesquels on n'est pas obligé d'être d'accord, mais avec qui il est bon, malgré tout, d'échanger, de discuter. Oui. Par exemple, nous, avec Mathias Echenet, qui fait aussi partie... de l'association, on a intégré le SNE et la commission environnement et développement durable du SNE pour voir évidemment où en sont ces grands groupes, puisque le SNE c'est quand même d'abord le représentant des gros éditeurs.
On discute, on a été sollicité par Cultura, mm-hmm. une chaîne de grande surface culturelle qui voilà, est intéressée par la démarche de l'association. On a été contacté par le Chip Project aussi, qui a une démarche, une recherche sur la question de la transition écologique. Bref, il y a toutes sortes de dialogues qui s'instaurent. Alors, parfois, c'est à la marge, c'est en bande, c'est oui, de façon c'est bon, collective. Mais en tout cas, voilà, et je constate que c'est aujourd'hui quasi quotidien. Demain, à l'invitation de la Fondation Charles-Léopold Meyer à Paris, on va se retrouver à plusieurs avec White Project, avec Les Petits Matins, avec des éditeurs déjà investis sur la question écologique pour discuter de la façon d'entreprendre ce sujet-là. Et de concrétiser. C'est plus seulement, on va dire, des discussions et des échanges. Voilà. C'est une recherche de solutions et une mise en action. Exactement. Mais avec un champ extrêmement large d'interlocuteurs. Oui, mais là, d'ailleurs, on a un panel d'interlocuteurs. Oui, mais on est quand même dans le même monde. Voilà. Là, ça reste effectivement. Ouais, oui, du coup, je vous permets, pour revenir sur l'impact social et la rémunération, aller voir la charte des auteurs illustrateurs de jeunesse ou le collectif Auteurs Autrices en Action. C'est un peu ce dont on n'a pas parlé aujourd'hui, les créateurs créatrices. Et juste peut-être finir sur le terme de décroissance qui fait peur, qui met des frissons dans le dos des plus gros conglomérats. Mais peut-être justement la piste à envisager, produire moins pour produire mieux. Oui. Et c'est ce que porte l'Association pour l'écologie du livre de façon générale. Eh bien, je vous remercie chacun, chacune d'avoir... participer et contribuer à nourrir cette réflexion et ce débat autour de la question écologique dans la chaîne du livre. Merci. Merci. Merci.